Bonsoir. Bonsoir. Waouh, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas streamé. Ça me fait legit bizarre. Et dire que y a quoi, il y a un an et demi de ça, on streamait tous les 6 mois à peu près. Et ça passait. Et ça nous faisait pas trop de problèmes de conscience. Là, ça fait au moins 5 jours. Mais non! Ça fait une semaine! Non? Attends, mais non, 5 jours. Non, ça fait une semaine, non? Vu que la dernière fois c'était samedi. Et bah on est vendredi. Ça fait une semaine. Ouais voilà, 6 jours. Voilà, plus ou moins une semaine. C'était samedi que j'ai streamé. Attends, mais qu'est-ce qu'on a foutu samedi? Bah non, non, c'est pas possible samedi. Spider, tu dis de la merde en plus. Enfin oui, c'était samedi à 10h du mat quoi. Bref, donc ouais, on va faire du Blasphemous. Alors Blasphemous. J'en ai legit rien entendu. Je sais pas à quoi m'attendre. J'ai même pas vu de gameplay à part vite fait ce qu'il nous avait montré au tout début. 2-3 Blasphemous, ouais, Blasphemous. connard. Pourquoi? Ah si, c'est bon. Homme de peu de foi cesse donc de jacasser et joue. Non, Hoffman, je vais repousser, je vais jouer même un peu plus tard, connard. Tiens, on va même pas jouer Blasphemous à cause de ce pédé là. Merci pour le sub quand même, mais je t'emmerde. Donc ouais, j'ai rien vu du jeu à part ce qu'ils avaient montré au tout début et moi de loin ça avait une gueule de Castlevania, mais je crois que c'est au-delà de ça, c'est plus proche en fait de Volgar the Viking que de Castlevania, donc tu vois, ça, je suis déjà en pré-chiage. Tu vois The Last of Us, bah pas ça. Ah, parfait, on va pouvoir avoir un vrai jeu vidéo et pas un film, Ah, il y a tellement de cinématiques dans The Last of Us. Ah, il y a au moins 2 heures de cinématiques en moins que dans Silent Hill. Ouh, quel. Eh, franchement, Sony, vous faites que des films, hein. Faut arrêter, hein. Moi, j'aime bien du gameplay aussi, des fois. Hein. Bref. MGS4, il n'y a pas de problème, par contre. MGS4, ça pose pas de soucis. Donc, on va faire du Blasphemous et ensuite, on va faire du Fallout 4. Hein, donc je sais pas combien de temps va durer Blasphemous, ça se trouve ça va nous saouler dès le début et on va en faire genre 15 minutes, hein, et un petit peu comme Yadar avec Deus Ex quelque part. Et ensuite on fera du Fallout 4 et puis ensuite après Fallout 4 on fera du Sessions parce que je l'ai chopé et c'est pareil, c'est un peu particulier. Donc je pense qu'on fera pas un stream des années dessus. MGS4 Perfect Game, je dirais pas qu'il est parfait mais ouais il est bien MGS4, mais faut admettre que bon... Les cinématiques, faut les encaisser quand même. Hein. J'ai pas envie de faire le mec qui chie sur n'importe quoi, qui chie sur l'ambulance, comme on dit, mais... Ou alors comme Yadar sur Dragon's Dogma. En plus, l'autre Druckmann essaie de teaser un truc à propos... Un truc nouveau pour The Last of Us 2. Un truc nouveau pour The Last of Us 2, c'est-à-dire, hein, à part un jeu. Le mec, il envoie pas des pics, il envoie des pieux taille Dracula vers Yadar. Eh ben écoute, je suis un Blasphemous ou je suis pas un Blasphemous? We were the Blasphemous all along. Alors par contre, le jeu est en anglais, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je l'ai mis en français, je vois pas pourquoi. Voilà, impeccable, c'est mon pèlerinage, c'est y part. Choisir le pèlerinage, vide, allez. Ouh, Berserk. Tu la sens l'inspiration, tu sens le néo-gothisme. Ariel Dombal? C'est toi? Regarde le Laisse Jésus te baser. Aïe aïe. C'est pas là qu'elle le met dans machin là. Ouais où? Il y a du nichon. Ah oui, il y a pas que du nichon, il y a ouais. Ils sont où les chamblacks? Ils sont où les chamblacks, poteau, là? On m'a dit hey, c'est pas du nichon du tout ça, Spider. De quoi tu parles? On les voit vite fait les chombs, mais ok, parce que moi je joue principalement pour les chombs, hein. Oh putain, c'est devenu chaud Camelot à moitié, hein. Il est bizarre ton nichon, mais bah, Hoffman, tu verras quand j'aurai mis la webcam. Guilt, repentance, mourning and every pain of the soul of all kind. Oh là là, tu le sens le scénar Too Deep For You à la Dark Souls, qui t'explique rien mais tout le monde se chie dessus de d'éjacula. On va en voir, t'inquiète poteau, t'es plus libertin que Dante's Inferno. Moi je suis plus libertin que Dante's Inferno. Que nous pume. Ah oh, putain, le passé simple quand même mec. Yes indeed. Quite. J'ai rien suivi. Oh, c'est un chombe.
Non, c'est Jésus. Non, c'est lequel? C'est lequel? C'est Jésus ou Belmont? Mais chiche, la prochaine fois qu'on va quelque part à Nantes, on va dans l'église et on demande très fort au prêtre si c'est Jésus ou Belmont ou Alucard. Oh, il a une tête de Pepsi Man. Non, il a une tête de comment MDK. Vous avez joué à MDK? Putain, mec, ça, MDK, ce serait le jeu que j'adorerais faire en lundi oldie, mais que je ne ferais jamais. Confrérie du chagrin silencieux, c'est LMF. Très bien. Ok. Oh la vache. Putain, mec, l'art style. Oh là là, ça fait des croix inversées, poteau. Appuie sur LB pour consommer l'une de vos flasques de bile et récupérer de la vitalité. Des flasques de bile, c'est pas très bon. Du big deal. Et récupérer de la vitalité. Ces flasques consacrées se remplissent lorsque vous vous agenouillez devant un prix dieu. Trouvez des flasques vides pour augmenter vos réserves. Eh ben dis donc, si on m'avait dit que le jeu il est pas chrétien, j'aurais pas cru. Hein. Oh la vache. Est-ce que t'es mal art style, poteau? T'es mal art style. Ouh, il y a du dash. Ok, dash. Merde. Ok, donc ça c'est des coups d'épée, très bien. Sauter, B ne fait rien, B, Y font rien pour l'instant. C'est pas un blocage, c'est une pari. Ok, il y a du pari. Très bien. Il y a des azous dans mon quartier. C'est un jeu Newground, on y va doucement. Jeu Newground. C'est un jeu Congregate. Ok, ah ça se joue aussi au D-pad. Ça c'est bien ça. Ok, d'accord. Et donc, le dash nous fait forcément s'accroupir. Très bien. Pourquoi on peut pas s'accroupir dans Metroid? Je comprends pas. Ok. Ça, je peux éclater ça? Yes. Je peux déjà commencer à péter des idoles. Ça, c'est bon, ça. L'idole des jeunes. C'est quoi? Ah, ça, c'est un prix-dieu. Très bien. Appuyez sur Y pour vous reposer devant un prix-dieu, sauvegarder votre partie, remplir votre santé, vos flasques à votre mort, vous réapparaîtrez au dernier prix. Ouais, non, c'est un bonfire, quoi. Ok. Bonfire. Yes. Oh, c'est joli, en plus. Très bien. Donc, ça, c'est mes flasques. En dessous, il doit y avoir mon mana. Je rigole encore à cause du flasque de bite. Et quoi? Mais oh. Regarde-le bien, Saint-Sébastien. Il aime les mêmes jours de sa vie. Ah ouais. Ouh. Je suis John Blasphemous, mon gars. Tu m'auras pas comme ça. Oh la vache. Oh, c'est vénère. Chef. Ok, le dash est super permissif quand même. Est-ce que ce serait pas un petit peu fort? Vas-y, crache-moi ta haine. Ah merde! Ah, je pensais que je l'esquivais comme ça. Tu l'as que t'es mort ou pas? Oh la vache! Exemplaris excommunicationis! Oh là là, John Blasphemous, il se fait péter la gueule par le premier ennemi du jeu, ah bah génial! Eh, c'est le boss, ok? C'est plus ou moins. Comment il s'appelle, le gros cul là? Appuie sur RT pour esquiver et utiliser. Ah, le connard, il m'explique qu'il faut. Pour vous, faufiler dans de petits espaces, éviter des attaques physiques et traverser les ennemis sans dégâts. D'accord, ok. Ok. Eh, hey, c'est... comment il s'appelle, là, celui qui a le gros cul dans Dark Souls? Vort, mais non, pas Vort. Et tu sais, le premier, c'est l'attaque... Ils t'apprennent à faire l'attaque tombée dessus. Allez, mais vous savez, ça... Oh, Y? Ah. Fragment de culpabilité? Ah bah ça, je vais en ramasser, je te le dis tout de suite. Tac. Ok, je sais pas comment l'esquiver, ça, en fait. Est-ce que je peux juste... Ouais, ok. Oh, trop tôt. Non, pas trop tôt. Je sais pas si on peut faire un dash en l'air. Va falloir que je teste ça après. Ah merde, un peu tard. Attention, je me claque une petite flèche de bite. Yes. Oh, les panards. T'as vu les panards qu'il y a là? Oh, yes. Oh, ça a de la gueule. Eh, on peut toucher la zizette. Requiem a Eternam. Killer is dead. T'as vu les petons du truc? Oh, c'est lui, John Blasphemous. Ah. Qu'est-ce que tu... Fais pas de conneries, Blasphemous. Non, je vais en prendre pour faire des muffins. Bah oui, mais c'est pas... Non, mais on fait pas ça. On fait pas ça aux gens qu'on vient de buter dans une église.
John, ça, est-ce que ça va au niveau du son? J'ai l'impression que ça gueule un petit peu au moment des boss fights. Je verrai après, moi. Je veux plus rien, JPP. Je veux plus rien, vite, il me faut une flasque de bite. Autismus Blasphemus. Super, le dernier album de Ghost. Ok, c'est quoi ça? Ouh, j'avais pas vu. Donc il y a des coups en crouch, comme on dit dans le métier. Gauche, droite, et il y a des coups en l'air aussi. D'accord. Oh, chaud de ouf. Et du coup, est-ce que je peux... Non, je peux pas dash en l'air. Pas encore. Pour ouvrir cette porte, il faut la clé de la chambre du frère aîné. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Ah, les balles de basket dans le cul. C'est qui, lui? Pourquoi t'as un visage en tartelette? Ça n'a aucun sens. Merci, Julien Chiez. Ah, c'était lui, le frère aîné. Frère aîné de qui, exactement? De Jésus-Christ? Deo Gracias, non mais c'est pas possible. Et voilà, 2019, ça donne des prénoms n'importe comment aux enfants. Entre les Kalia, les Calici, les Deo Gracias. Je pense que si j'ai un gamin, je l'appelle Excommunicato. Et là, mon gars, tout le monde va se chier dessus. Tu veux pas que je te retire ta corde? Ça doit être chiant. Ah non, il a une tête en corde, en fait. Il a littéralement une tête de nœud. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. C'est Quinia, man. Hein? Bitterdas Maximus. Excommunicatus. Oui? Toi, t'es un pénitent sage, toi, avec ta corde sur la gueule? Non, non, toi, t'es un BDSM dégueulasse. Toi, tu te retrouves dans des caves pour te faire mettre des rats dans le cul, je le sais, hein. Enfin, je le sais, on m'a dit. S'exposer aux trois humiliations, je t'avais dit. Ouais. Chemin creusé par les gémissements qui se lèvent d'une spirale de fer. Eh, oh! On va se calmer, ouais. Dans les entrailles de la cloche qu'on appelle Joe. Tout. Citation, c'est bien ici, Radio Rock. Ouais, c'est ça, ouais. Radio Rock, ouais. Oh, la misère. Mais oui, c'est bien ici, ouais. Ouais, mais c'est complètement con de faire en sorte que mon épée me fait mal. Enfin, c'est un peu contre-productif, non? Vous pouvez pas foutre un petit grip chauffant, massant même? Putain, le mec, il a lu Berserk une fois, il a bandé direct, il s'est dit « Comment c'est trop cool, vas-y, je vais faire encore mieux !» Il a regardé les rivières pourpres. Salut Arterius, ça va, mec? Première humiliation, avoir la bite à l'air devant un établissement scolaire. Non, la première humiliation, c'est quand tu rêves que tu vas à l'école en pyjama. Vous pouvez consulter la liste des jouets que vous avez trouvé dans votre inventaire en jouant AP sur... ça là, pour ouvrir. J'ai jamais... C'est quoi le nom de ce bouton? Enfin, c'est Start, mais... ils ont pas un truc genre menu ou je sais pas, ils ont une espèce de nom tout pété, quoi. Un petit cadeau de Deo Gracias cloué à l'effigie du sinueux. Sous la garde de votre épée, les épines levées du miracle se nourrissant du péché, de la culpabilité et pousse de conserve avec le fardeau qui pèse sur son porteur. On va... Par contre, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se calmer tout de suite. Carglass répare, mais va falloir quand même qu'il se détende. Start et back. Ah, donc ça c'est start ça. Mais pourquoi ils ont pas mis start du tout? Pourquoi ils ont mis des trois petits traits? Rêver d'aller à l'école en pyjama, c'est quoi ta merde? Vous avez jamais rêvé de ça? Il a maté les rivières pompes, le boss secret c'est Magimel. Excommunicatus Magimel. Mais vous avez jamais rêvé genre d'aller à l'école, genre et tu te rends compte qu'en fait soit t'es en pyjama, soit t'es à poil. La ZZ a l'air, sérieux? Arrêtez les mecs, vous avez pas eu d'enfance? Vous avez pas vu les Goonies? Bonsoir. Ok, d'accord. Tac, lui je peux lui en caser une? Non, je peux pas. Bon, ok. Tac, ok, deux coups. C'est bon. Oh putain, Will Boy. Knights of Fire. Appuyez sur RB pour parer, cette manœuvre vous permet de contrer les attaques faibles et de dévier les frappes plus lourdes. Pendant un contre, appuyez sur X au moment de l'impact pour effectuer une riposte qui augmente la force du coup et tolise certains ennemis. Oh là là. Vas-y. Yes, vas-y. Haha. Oh. Oh, Jojo. Jojo. Eh. Vas-y. Je suis chaud.
Yeah. Ok, ça a l'air très très large quand même. Merde, la fenêtre. La fenêtre a l'air quand même relativement permissive. Oh, pardon. Nice. Chou-taro. Premier ennemi qui est une ref à Berserk. Mais je pense que ça va être soit des refs à Dark Souls, soit à Berserk, soit à Benoît Magimel. C'est plus ou moins le Sekiro des Dark Souls. Ouais. Ah, il y a du caca. Non, je veux pas être dans le caca. Je peux tuer les golems de caca, là. C'est des spiders, on les appelle dans le métier. C'est quoi, ça? Ça y est, Verdial du hameau. Un chant qui remplit l'air pendant les festivités d'un village interdit. Ah, oh, c'est Malensac. Son pouvoir imprègne le sol, parcourt les murs et le plafond et blesse les... Comment je... Ah voilà. Blesse les ennemis du pénitent. Un coup de trompe en coquillage précédé naguère ce chant, mais il reste plus que le silence. Eh mais... Sous le casque, c'est Jean Reno. Oh, équipez-vous d'une prière dans votre inventaire, appuyez sur LT pour l'invoquer. Les prières et certaines techniques de combat consomment de la ferveur. Attaquer, exécuter... Ouais, du mana. Attaquer, exécuter les ennemis pour remplir votre barre de ferveur. Yes, faut voir. Ferveur. On pourrait avoir une carafe d'eau. Tu l'as ou pas? Ah non, pas du caca. Il y a encore du caca. Il y a le caca. Ferveur. Voilà. Oh, j'ai tout enculé. Comment on monte là? Ouh, d'aller voir. Oui, ça c'est du petit côté Castlevania, Castle Crasher. Putain, il est mort d'un coup, le pauvre. Comment je... Il y a un truc où on peut voler, non? Plus tard. Ça va être ça. Putain, la forêt, en plus, elle a pris cher de ouf. J'ai la bite qui pénitent de ouf. Ça me pénitent la bite. Satan ma bite. Les plateformes qui jouent à cache-cache. Ah, tu crois? Fais voir. Il y a peut-être une plateforme invisible, ouais. Un peu à la Mario Land, quoi. À partir de là-bas, peut-être. Tu crois? Oh, j'ai tué Michel, mais... Enfin, j'ai fini Michel, parce que c'était plus ou moins un squelette. Mais je crois pas, non. Hein. La Suze ma bite. Pourquoi tu parles de Suze, toi aussi? Enfin, t'es possédé, vous êtes tous possédés, en fait. Attends, je m'éclate une flèche de bite, et puis on y va. Le bon zizi fromager. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouh! Il y a du ledge grabbing. Ça... Putain, mais non, il s'est pris trois coups, ce con-là. Qu'est-ce qu'il te faut? Il y a du ledge grabbing, ça, c'est bien. Ouais, j'appelle ça ledge grabbing. Bon, écoute. Attends, je... Merde, c'est pas ça que je voulais. Je voulais éclater ma ferveur. Tiens, prends... Ça, c'était bien, ça. Bravo, la ferveur, connard. Qu'est-ce que tu veux foutre avec des cons pareils? Tu vas me niquer, là, hein? Abruti, t'es vraiment une merde. Attends, je vais aller dans le... Je vais aller éclater les golems de caca. Comme ça, on sera tranquille, on va pouvoir parler tous les deux. Hein, tiens. Tac. Ah, putain, mais il leur faut combien de coups, ces cons? Me dis pas qu'il y a des coups localisés, je te croirais pas. Je comprends pas. Des fois, il leur faut 3 coups, des fois, il leur faut 7000. Oh, oh, c'était quoi, ça? Oh, le truc à la Rayman. Attends. Mec, enfant du clair de lune. Ah, c'est ceux qui peuvent pas être à la lumière, sinon ils explosent, là. Vous les trouverez dans les cages, dans tout Custodia, d'accord, très bien. Libérez-les avec n'importe quelle technique à votre disposition. Ok. Je suis en train de me faire avec la taxe. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ha! Tchou, talon! Tout, 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 tout. Vas-y. Fous-moi un coup de... Tec! J'adore ce truc, c'est vraiment sympa. Tu peux cancel ton attaque avec une parie un peu LMGR ou pas? Oui! La parie a quand même une grosse anime. L'animation est longue, mais oui, tu peux cancel, ouais. Tu peux cancel. Appelez Skadur, j'ai de l'afficheur. Pourquoi faire? L'appelez pas Skadur, il va venir après. Petit Fanta, les mecs? Je vous rassure, pendant tout le stream de Blasphemous, on va rien biter. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ouh, Albero, dis donc, c'est joli. Oh, des petits moineaux. Oh, des petits moineaux, regarde-les comme ils sont beaux. C'est les ortolans. Vas-y, pénitent. Tu veux pas en sucer, hein? Attends, je vais mettre ma flasque de bile dessus, là. Ma flasque de bile sur ton nez, ça fait un dindon. Ouh, ok, c'est Ipar. Eh ben, pour l'instant, ça va, je me retrouve. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, mais ça va venir après. Ok. Suce-moi l'ortolan. Oh, une petite piscine. Et hop. Oh, mais non, laissez...
Ah, laissez-moi aller dans la piscine, oh! Mais ça, on dirait un village espagnol, non? Non, non, écoute, écoute. Pardon. Écoute bien. Maintenant, écoutez autre chose. Écoutez autre chose maintenant. Eh. Est-ce qu'il serait pas un peu en train de me prendre pour un con, jeu, là? À faire des références sonores que je comprends. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'ai même pas pu sucer les ortolans, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, bah salut, les mecs! Je peux éclater tout le monde? Non. Ah, il est pété, lui, hein. Que votre cœur connaisse le chagrin, mais t'es un gros fils de pute, toi, tu dis pas ça aux gens qui arrivent. Confrérie des baisers des plaies. Mais vous êtes tous baisés de la gueule, pas des plaies, mec, hein. Ah putain. Ah putain, tu sens le style de jeu où littéralement tout le monde a une grosse vie de merde. C'est pas de Calais Souls, quoi. Oh, un crâne de colombe, bah tant mieux. Le crâne d'... Achetez des perles de rosaire à votre rosaire pour améliorer les caractéristiques du pénitent. Trouvez d'autres nœuds. D'accord, ok. Donc ça, c'est des upgrades. Le crâne d'un oiseau portant pendentif, sa fragilité apparente renforce légèrement les défenses du pénitent. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le rosaire. Par contre, mec, les illustrations, elles sont... Oh, putain. J'en prends plein. Cœur de mea culpa. Prière, relique, perle de rosaire, capacité, collection... Limite, il n'y a que capacité qui sonne relativement jeu vidéo. Pour l'instant, c'est n'importe quoi. C'est quand la ville avec les tétés? Ouais, bah attends, on va y arriver, d'accord? Le jeu, c'est vide merde simulator, bah oui. Oh, 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 c'est quoi ça? Oh, le truc à la... comment ça s'appelle? À la métro... Viens, 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 viens! Viens ici! Comment ça s'allume, ça? Ça s'allume pas, c'est de la merde. Ça marche pas, hein. Oh, attends, je vais venir te niquer après. Ouais, mais tu le sens, le jeu dépressif au possible. Y'a rien qui va, tout le monde chie de la flotte. Je vais prendre votre seau, là. J'en ai pour le mettre à mon rosaire. Et y'aurait pas des petits murs... Oh là là, putain, mais j'en ai marre d'être un game développeur comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Je joue à beaucoup trop de jeux vidéo, mec. Craint par ses patriotes, Perse attaquait les voyageurs sans distinction entre riches et pauvres, et toujours seul. Le jour où il se traîna à Albero, au seuil de la mort, personne n'eut pitié de lui. Waouh, merci, heureusement que tu me l'as raconté, celle-là, je la connaissais pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est quoi? C'est un truc de défi, ça? Tu le sens, la map de défi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, ça c'est mes collections! Donc c'est les âmes de mecs que je trouve par terre! Waouh! Heureusement, qu'est-ce qu'on ferait sans, dis donc? Du coup, il est là, le... Comment? Perse? Perse, il s'appelle. Ce n'est pas de mon fouet qu'ils ont peur, mais de ma toute divine puissance. Ok, d'accord, donc il va falloir bien ouvrir l'œil. Citerne profanée, bah écoute... Je le sens pas ici. Attends, parce qu'il y avait un truc qu'on a pas fouillé tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment bien la suite. Bah non, remarque, non, c'est un truc caché. J'ai marché sur l'âme de ta mère. Oh bah merde. Pied droit ou pied gauche? Non, ok, attends. C'est quoi, on va passer comme ça. Là, tu le sens, le... Comment s'appelle, le... Volgar the Viking. Franchement, là, c'est évident. Mais j'espère que ce sera plus, justement, un Metroidvania que vraiment un Volgar the Viking-like. C'est même si c'est dégueulasse d'appeler ça un Volgar the Viking like, mais... Oh! Goo Boy! Il est une... Ouah! C'est quoi, c'est con? Mais qu'est-ce que tu veux foutre, bande d'abrutis? Mais prenez un ibuprofène, un truc comme ça, parce qu'il y a clairement quelque chose qui va pas, là! Attends. Voilà. Vas-y, explose tout seul, tranquille. Voilà. Bonjour. Ça dirait, on règle le problème tout seul? Oh putain, d'accord, je peux pas encore. Ouh là là. Oh là là, c'est Lilou.
C'est blasphémous. Ok, donc pour l'instant, je pense que je peux pas passer par ici. Donc va falloir bien retenir. De toute façon, c'est sur la carte, mais j'imagine que... Ouais, voilà. Ok. Je pense même que les passages, certains passages secrets doivent être marqués sur les cartes. Eh ! C'est rien, ça. J'espère que tu galères. Eh bah, pas trop pour l'instant, Poon, mais merci beaucoup de ta sollicitude. Oh, y'a Jésus ! Bonjour, Jésus ! Ça va, Jésus ? Hop ! Oh, bah... Je suis désolé. C'est quoi, ça ? Putain, c'est quoi, ça ? J'aime bien, ça. Ouais. Oula, c'est qui ? C'est con, ouais. Haha, merde. Ting ! D'accord, je peux pas les parer, ça. Hop. Ah vache, ils en prennent les dégâts, ces cons là. Mange ta merde et crève, espèce de crypto-communiste. Mais tu vas claquer. Ah, voilà. Attention, ferveur. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ferveur. Ah merde. Attends. Ferveur. Voilà. Encule ta race. Et viens me dire après quel goût est là. Attends, j'aimerais... Merde. J'aurais voulu éclater l'espèce de piaf là. Hop. Est-ce que je serais pas encore à un endroit qui est trop haut pour là où je devrais être? En tout cas, moi, je me suis compris. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Putain, la vache, je sue des mains, là. Il me stresse, ce jeu, là. Coucou. Coucou, Poons. C'est quoi, ici, là? Qu'est-ce que c'est, ici? Ok. J'ai une âme de... Bah, je suis niqué. Ouais. Non, c'est bon. Ok. Métacarpe de Hodge, le forgeron, dis donc. J'ai chopé un métacarpe. C'est pas le meilleur, mais après, je crois que tu peux le transformer en Onyx. Ça, tu vois, c'est la blague de la semaine pour moi, quoi. Ah, merde, quel connard, ce mec. T'as récolté combien pour permettre à de nombreux enfants de boire du lait pasteurisé? T'as récolté combien? Ah, d'accord, c'est pas moi qui parlais, ok. Je devrais pas rien. Et personne devrait... Ah, j'ai éclaté un pigeon. C'est pas grave. M'en voudra pas. Bonjour. D'ailleurs, faut que je te balance un coup de ferveur, tu vas vite faire la gueule. Hein. Ça va, on prend pas de dégâts quand il nous touche, et j'ai l'impression que le jeu est assez permissif avec ça. Par contre, j'ai vu sur... J'avais maté une critique, juste sur YouTube. Le mec en montrait pas beaucoup, tu vois. Et apparemment, il y a beaucoup de trucs vraiment injustes dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est un petit peu, comme on peut dire, old school aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il fait pas mal de choses die and retry, quoi. Vraiment. Ça, je peux monter, ça, non? Ah voilà. Appuyez sur X en sautant contre certaines surfaces pour planter votre épée dans le mur. Une fois suspendu, appuyez sur A pour... Ok, d'accord. Donc, tac. Et je saute. Et je coupe le son. Voilà. Tac. Excuse-moi, Jésus. Hein. Tu m'en veux pas? Hop. Et ça veut dire qu'il y a des dégâts de chute? Attends. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Bah non. Complètement con. Loupé. Oh, c'est qui, ce con? Oh, oh la vache. Espèce d'abruti, va. Mange dans ta race. Chaud, chat, chaud, chat, chaud, chat. Attends, je me fous un petit coup de ferveur et je viens vous enculer, vous avez pas... What the... Voilà. Hop. Vas-y, attends, bouge pas. Reviens là, toi, avec ta gueule de taureau, là. C'est quoi? J'ai l'impression qu'en fait, ils ont des têtes de taureau et ils ont les lances qu'ils utilisent, tu sais, les toréadors, pour leur mettre des pics dans le cul. Non, c'est pas une espèce de petit... Il serait pas espagnol, le jeu? Il serait pas espagnol? Le mec, il a découvert un truc. C'est comme Mario. Salut à ceux que j'ai pas vu, d'ailleurs. Mais ouais, ça me fait penser à ça, les ennemis avec les crânes de taureau, là. Faudrait voir. Quelqu'un peut aller voir si le dev il est... Je crois que c'est Team 17. Mais je sais pas si c'est pas les publishers, ça. Ok. Alors c'est quoi la suite, là, maintenant? Faudrait que je cours. Et ensuite, regarde. Je descends. Tac. Je cours. Je saute. Et ensuite, je m'accroche à la plateforme, d'accord? Tout va bien se passer. Chat. Chat. Hop. Voilà. J'avoue, je m'attendais pas à ce que ça se passe bien. Mais en fait, ils sont tout pétés, eux. Ils me font pas de dégâts quand ils me roulent dedans. C'est niqué, non? Je sais pas, ça aurait été plus intéressant s'ils me faisaient les dégâts. Ça serait plus dur, bien entendu, mais... Ça aurait... Je sais pas. Ça se trouve, je dis de la merde, hein. Ça se trouve, ils ont dû faire bien plus de tests que moi. Le jeu a une très très grosse inspiration espagnole. C'est pas des cloches qu'ils ont? Bah non, c'est des têtes de taureau, non? Et avec... Non, c'est des têtes de taureau et c'est des lances, tu vois. Et on dirait les lances, ouais, qui plantent dans le cul... Et même le pagne rouge comme ça et tout, j'ai l'impression que ça fait très... Je sais pas.
Je sais pas, ça se trouve, je parle de mon cul, comme disent les Néo-Zélandais, mais... Oh putain, oh, il est trop cool, lui. Ça va? Ouais, bah oui, bon bah écoute, t'es fragile, mais c'est ce qui arrive quand t'es mal recousu, poteau, hein. Faire plus... Les points de croix, points chassés, pas, je sais pas quoi, la couture. Je sais pas pourquoi je les bute, eux, mais j'ai vraiment envie, et j'ai l'impression qu'en fait, qu'il y en a qui... Oh, c'est qui ce con? Oh putain! Mais il était dans Battle Arena Toshinden! Oui, enculé! Attends! Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh là là! Et on dirait le premier combat contre Dracula. Qu'est-ce que c'est qui? Qu'est-ce que la Rough Beams qui dit Sub Gamers? Merci pour le resub, mec. Merci beaucoup pour le resub. Ok. Oh là là! Oh là 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 là! J'ai plus de jauge de. Enfin, j'ai plus de truc de beat. Quelque chose me dit que j'ai rien à foutre là, moi. Et je cours, je me raccroche à la vie. Tac, ferveur. Ça a rien fait. Il a même pas eu de dégâts. Le truc, c'est que là, si je me prends un truc, je claque. Oh. Allez, claque, s'il te plaît. Rends-moi la tâche facile. Laisse-moi montrer aux autres que je suis un gamer. Je suis un gamer. Ok. Doucement. Ah, marrant ta vrille sur la tête. Sympa ta robe. Exemplaris excommunicationis. Quelqu'un peut faire un screen de ça? J'ai envie de l'envoyer à des gens quand ils se font éclater sur Twitter. J'arrive et tu meurs. C'est à cette heure-là que t'arrives, en plus 38 minutes après le début du stream. Bravo Momo. Merci, on voit où sont les potes, hein. On voit où sont les potes. Je te félicite pas, hein. Bravo. Bah, du coup, je te félicite, mais... Ah, merde. Oui, ouais, bah, non. Mais du coup, c'est chiant. Attends. Ah, mais c'est bon, lui, il est con. Ils sont vraiment pas top, tous. Et oui, lui, il a bien une cloche sur la tête. Mais les autres, c'est bien les têtes de taureau qu'ils ont, hein. Ouais, il est vraiment débile. Oh. Hop là. Allez, speedrun. Blasphemous speedrun. Il s'agit de se faire excommunier le plus rapidement possible. De se faire interdire l'accès au paradis le plus rapidement possible. Le teneur en titre, c'est quand même Constantine dans le film avec Keanu Reeves. Je peux encore me barrer. Eh ben, casse-toi! Non, je déconne. Reste là. Et du coup, je ramasse quoi? Des fragments de culpabilité? J'en ai plein des comme ça, hein, c'est pas obligé. Hein. Il est où? Il est parti, ce con? Bah. Mais quel connard! Il m'a buté, il s'est barré. Qu'est-ce que c'est que ce sale fils de pute? Il m'a buté. Est-ce que vous avez vu le fond avec le puits gigantesque? Là, c'est vraiment stylé. Du coup, il est bien, ce Souls-like Metroidvania 1D. Oh, du coup, le petit jeu 2D, alors ça donne quoi? Bah, pour l'instant, c'est génial. C'est très responsif, comme dit Yadar. L'art style, comme vous pouvez le voir, il me fout sur le cul. Mais ouais, il est vraiment bien pour l'instant. C'est quoi, ça? C'est un monsieur, ça. Bonjour, monsieur. Je crois qu'il apparaît si tu niques trop de mecs sur les poteaux. Ah! D'accord. Les importants, les routes étranges sur le même firmament, sans nulle aucune vocation, ouais. Redento. Toi, t'es un pèlerin, toi, t'es un galérien, ouais. Enlève ton truc, là, ton seau, ça te fait mal au dos. Regarde ta position, là. Droit, tac. Les lombaires. Ah, ouh. Il y a un petit coup dans le cul, ok, bouge pas. Prithee, be careful. Car à chaque instant, restons ployés pour que jamais nos yeux ne quittassent. Oh la vache! Si la prochaine fois tu me refais un coup comme ça avec du subjonctif imparfait, franchement, je t'encule. Je vais te montrer ma grosse flasque de bite, comme dit Chubby. Attention, hein. Hondo. Ah ouais, donc la façon dont il prononce les J me fait penser que ouais, c'est bien en Espagne. Et avec tout le délire de l'inquisition espagnole et tout, je me dis que on n'est pas loin du truc. Attends, vous nous voyez devant Hondo, la grande cloche enfouie érigée de bas en haut pour que sa sonnerie ébranle la terre et attaque. Donc c'est pas un puits qu'on voit, c'est une cloche. Arrête. Oh. Arrête. Ouais, je sais. Oh, my sins! My sins, they hurt! Wanna twist them! Ok, c'est pas ici. Tu vas croiser Salazar.
Welcome. Bonsoir. Hondo. Ouais. Ça fait mal, ça, non? Non? Oh, ouais, j'ai l'impression que ça fait mal. Ça pique de ouf. Je peux rien faire, là. Parce que là, je vais vous admettre que ce gros coffre-là, il me plaît beaucoup. Mr. Kennedy! Tiens. Con de cloche. Attends, j'ai envie de voir, ça me fait vraiment mal ou quoi? Est-ce que je peux l'enculer? Aïe, 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 aïe. Ah oui, yon, ça pique, eh oh. Oh, ça pique. Là, je peux descendre par là? Non, je peux pas descendre par là. Je peux descendre par là? Non, je peux descendre par là. Là! Merde. Oh la vache, ils sont cool, eux aussi. Bon, il en reste plus rien, mais attends, je vais vous montrer les autres, regarde. Eux, là. Oh, la gueule qu'ils ont, mec, les flagellés, là. C'est comme les petits haricots. Mr. Kennedy. Bonsoir. Ah! Fuck! Oh putain, je me suis fait fouetter le cul. Ok. Est-ce que tu penses que je peux parer? Oh! Eh! Attends, je me fous une flasque de billes sur la gueule et on est bon. Mais en plus, le symbole que je me marque sur la tête à chaque fois que j'éclate une flasque de bite, c'est clairement une croix inversée. Alors je sais pas si c'est fait pour être justement très très chrétien, parce que quelque part la croix inversée n'est pas un symbole anti-chrétien ni anti-religieux. Mais je sais pas si c'est... je sais pas dans quel sens il faut le prendre en fait. Alors, on joue un pénitent. Ça, mais... Oh putain, une salope avec une cloche. Dans Dark Souls, je pouvais pas les saquer ces connards. Bouge pas, attends, vas-y. Je vais me la faire. Hey on, connasse. Tech. Ah, c'est con, hein. Donc c'est elle qui déclenchait les trucs. D'accord. Petit côté gay SM, ton jeu. Ah, heureusement qu'il y a funérailles pour reconnaître les bons côtés d'un jeu, parce que sinon, on ferait comment? Hop. Ah, donc ça, je peux vraiment bien les activer, en fait. C'est juste que tout à l'heure, j'étais con. Oh. Attends, il y a un coup qui descend? Non, non, j'ai juste un coup de bol, en fait. Croix de Saint-Pierre, TMTC. Saint-Pierre, si je mange, c'est le terre-terre. Par Saint-Jules, Saint-André, Saint-Fernand et Dieu Tout-Puissant. Ainsi que notre Saint-Père Jésus-Christ. Je suis en train de me galérer, hein. Je sais pas si c'est évident. Attends. Tiens, oula, elle a eu mal. C'est... Ouh. Ah, mon petit chapeau. Me coupe pas mon petit chapeau. Ce serait marrant que le projectile du mec se coince dans mon espèce de tête de 3D Buggles là. Par contre, il a un mauvais timing. De Saint Didier, Saint Just, Saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. Il l'a pas dit. C'est le budget. Ah, bah attends, peut-être qu'il fallait que je juggle dessus, non? Je te bannis, toi et ton gros pénitent. Putain, pourquoi je rigole encore à des conneries comme ça? Moi, j'ai vraiment aucun amour propre. Je peux vraiment pas monter, là. Tu joues une grand-mère bretonne qui te cuisine des putains de crêpes. Je suis une bigoudaine. C'est les sœurs Gwadec. C'est les putains de sœurs... Attends, vous connaissez les sœurs Gwadec? Normalement, je suis pas censé montrer ça à des mecs qui sont pas bretons, mais... écoute, les sœurs Gwadec. Et voilà. Allez, c'est qui part, mon gars? Got the motherfucking pain, nigga. Yeah. Come on. Oh, vos gueules. Attends, je vais mettre un peu plus loin. Je crois qu'il y a le drop après. Est-ce que ça te déchire pas un peu quand même? Rap God. Rap God, Rap God. Allez, crevez, vous servez à rien là. Toi avec ta cloche. Je vais la faire teinter jusqu'en dedans tes molaires. Ouh, merci Captain The Weeb. Bonsoir les gars, t'arrives au bon moment, t'arrives au moment des sœurs Gwadec. Ok. Sister Act 3. Mes études en résumé, t'as fait des études sur la culture bretonne? Enfin, la culture bretonne. On dit ça, je sais pas qu'on en avait une, mais... Je peux pas descendre là. Merde, comment je vais faire? Je suis... Je le sens pas là, mec. Ça passera pas là, hein. Ça passe ou ça passe pas là? Salut Ludo, ça va mec?
Quoi de fun et d'aisance, c'est marrant, je me disais en lançant le stream qu'on te voyait moins sur les streams. Mais c'est peut-être moi, hein, parce que t'étais là tout le temps, je sais pas, peut-être que tu me manques quelque part. Je parle breton. Oh, Yarmat, Madati. tu crois que ça passe? Non, ça passe pas? Non, tu vas crever, mais saute quand même. J'espère que vous croyez en moi, les mecs. Aujourd'hui, on va leur montrer à tous. On va montrer à Satan qu'on est le meilleur. Satan! Putain, ça... Quelque... Ah, oh, putain, je recommence là! Oh, fais chier, je vais devoir m'en... Je vais devoir me taper. Ah, putain, Satan. Satan m'habite. Casse-toi, toi. Hop. Alors, on tous des merdes. Tac. Vous m'impressionnez pas. Tac, pas fait exprès. Hop. Nanana, elles sont où les sœurs Gwelec quand on a besoin d'aide, là? Tac, hop, ça s'était fait exprès, ça s'appelle un double skip. Yarmat Guité. Yarmat. Et du coup, c'est quoi ça? Vous n'avez aucune offrande disponible? Bah si, j'ai 5 euros en petite monnaie, j'ai des clopes. T'as perdu toute ferveur. Ah, oh, putain. Ah, oh, merde, qu'est-ce qu'on va faire sans notre ferveur funérale? Si on n'a pas de ferveur, on pourra jamais être servi à temps. Ouais, ça me fait rire, j'ai fait la même blague tout à l'heure, mais ça me fait rire. Ah, putain! Oh là là! Oh putain! Et j'ai même plus de flash de bite! Alors là, ça va être compliqué. Ah, si, là, c'est bon. Attends, vas-y, attends. Ce gangbang, mon gars, je me suis fait juggle par ma foi. Ah! Eh, lui, c'est un gros fils de. Attends, parce que là, je suis... Attends, mais c'était quoi ce MLG, là, mec? T'as vu le trick shot? From across the map! Ok. T'as ta gueule. Oh là! Oh là là, c'est Lilou. Il a pas récité son psaume. Il va aller en enf... Ouh. Oh, elle m'a frôlé pour le cul, celle-là. Attention, tac, par le dessus, on se baisse, yes. tout va bien, ok. Je m'éclate une petite bouteille de bite et puis on y va. Chopé en l'air, master shooter, gros loser. Putain, c'est la première fois qu'on voit les deux en même temps. Ouais. Mais je peux pas, récup le coffre, Choubi. Par en dessous, quoi par en dessous? Qu'est-ce que tu veux dire par en dessous? Je peux pas, comment tu veux dire? Je comprends pas ce que tu me dis. Par en dessous. Quoi pas? Il est con. Avec la plateforme. Celle-là, là? Tu sautes à droite. Mais je peux pas. Cette plateforme-là ou la plateforme de gauche? Allez là! Mais oui, mais je peux pas, mec! Faut éclater ça, c'est ça? Il va falloir réussir à péter ça, j'imagine. Attends. Chata! Putain! Mais il est en train de me raconter des conneries, en plus il en sait rien du tout, mec. Je le suis, mais il en sait rien. Peut-être que tu peux pas. Évidemment, je peux pas. Ah, je peux bouger la caméra quand je fais ça. Ça vous dit, on fait tout le gameplay comme ça? La 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 la. Tac. Allez, rentre chez toi. Alors. Faire un peu attention, je vais gerber. Peut-être t'as un double jump plus tard, mais évidemment c'est un Metroidvania, espèce de con, évidemment que j'ai un truc plus tard. Me fais pas croire en des trucs qui n'existent pas, Choubi, tu sais que je déteste ça. Refile-moi ma marque de l'imposteur, yes. Oh, j'ai plein de ferveur. Tac. Ah. Apparemment ils s'en battent les couilles de ma ferveur, hein. Ça a impressionné personne. Oh. Ah oui, mais je peux faire ça, mais ça sert à rien. Et en fait, je peux, dans The Messenger, je saurais quoi faire, mais là... Hum. Attends, qu'est-ce que je dois foutre, là? Tonk. Ma ton kiki noise. Waouh. Mais c'est complètement con ce truc, pourquoi je peux me faire mal? Attends, quoi? Attends. Ah. Pourquoi j'aurais envie de faire ça?
Attends. Ah non, c'est par là en fait. C'est un truc. Ça... Ça me rappelle vraiment Rayman en fait. C'est bizarre comme comparaison, mais plus que Volgar the Viking, ça me rappelle Rayman. Il y a beaucoup de mécaniques que je retrouve de Rayman. Je suis désolé, je sais que c'est plus ou moins blasphématoire ce que je suis en train de dire, mais. Donc ça fait repop les mobs, j'imagine, de s'agenouiller devant un prie-dieu. Putain, je peux même pas foutre des coups pendant que je suis sur une échelle, c'est vraiment du low tier. Alors attends, faut pas que je descende là parce que sinon je vais avoir une grosse surprise au niveau de la plateforme et je vais pas envie de me faire niquer. Attention, je me suis déjà fait niquer en achetant des parts de marché de Enron en 99, je vais pas recommencer deux fois. Et attends, toi ta gueule. Putain, on voit même pas. Tu vois, par exemple, là, ça se trouve, le jeu il a envie de m'enculer et il y aura pas de truc en dessous. Attends. Haha! Eh, ouh! C'était pas tout à fait ce que je recherchais, mais bon, écoute, ça, c'est... on s'en est pas trop mal, hein? Tac. Voilà, ok, donc ça fait les dégâts sur une. Pas maintenant. Toi, ta gueule. Fais voir. Faut que je saute et que je ressaute derrière. Hop. Et hop. Voilà. Impeccable. Je crois que j'ai niqué mon seul moyen de passer. Maintenant que j'y pense. Attends. Non, peut-être pas. Attends. Waouh. Ok. Wiki, waouh. Il n'y a pas de double jump, il me semble. C'est vrai, pas du tout. Durant tout le jeu. Bon, quand même, dans un Metroidvania, c'est bizarre, non? Je sais que les gens, ils aiment pas quand on dit Metroidvania, mais c'est vrai quand même. Tac. Oui, c'est un raccourci, Chubbs, mais là, c'est la suite. Chubby, il fait genre, il connaît, mais... il a aucune idée de quoi il parle. C'est quoi? Ça va, messieurs, dames? Qu'est-ce que c'est derrière? C'est la grosse cloche? C'est Romul? Fallait faire comme je l'étais dit pour le coffre. Comment ça? Quoi? Oui, Chubby, d'accord. Mais... comme ça, là? Mais de quoi tu parles? Attends, tu veux qu'on tourne voir? On va retourner voir pour que tu fermes ta gueule tranquillement avec ce coffre, là. Est-ce que tu commences à me courir sur le... sur l'asper... Non, c'est bon, c'est dans le jeu. Mec, le son, il était beaucoup trop étrange, je croyais que c'était chez moi, mais... j'aime pas trop. J'avoue que j'aime pas trop. J'ai bien fait de le prendre pour un Fright Fridays, ce jeu-là, parce qu'il fait beaucoup plus peur que ce dont on y pense. Ah putain, non, il a failli me niquer encore avec son... Bah... Et c'est là? Elle est pétée? C'est l'homme en rouge. Oh putain, ah c'est eux, les hommes en rouge. Ok, alors attends. Vous, je vais vous demander de fermer vos gueules de manière instantanatoire. Hop là. Hop, bouge pas. Et je viens avec toi sur ta petite plateforme. Je suis désolé, il y a pas beaucoup de place, mais... La mini attaque cardiaque était mimi, ouais. Mais j'ai retiré mon casque pour savoir si j'étais dans le jeu ou dans Nantes. Parce qu'en fait, les gens qui hurlent comme ça de loin, c'est vraiment pas exotique quand t'es à Nantes. C'est quelque part, tu t'y habitues. Et là, j'avoue que c'était plus fort que d'habitude. Ok, alors attends, j'ai pas tout à fait envie d'aller dans les limbes de l'enfer maintenant. Bon, tu sais quoi, vas-y, tant pis. Tant pis, je suis déjà, ça s'appelle la méga forge. Oh, le mec, ah. Putain, mais lui, il est con. Il m'énerve. Ah putain, mais en plus j'étais concentré sur autre chose. Aïe, maman. Attends, flaque de bite. Bougez. Oh. Ah. Ouh. Attends, parce que là c'est chiant. Oh merde. Oh le con. GG bolos. Putain, je me fais bully par mon chat. Oh mec. Je me disais pour l'instant le jeu était pas trop compliqué, mais en fait ouais, il... Ah merde, non mais attends, comment je fais? Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'attacher au... Pourquoi j'arrive pas? Mais bah, qu'est-ce qui se passe avec cette échelle? Elle est complètement conne ou quoi? Ça marchait bien tout à l'heure. Mais attends, attends, celle-là elle marche bien. C'est quoi? Oh la vache. C'est... Vous allez vous calmer avec les émotes. Il y a un mec qui nous a dit une fois, vous pouvez pas augmenter le nombre total d'émotes qu'on peut balancer. Je l'ai fait, bah putain, tout le monde a remarqué, hein. Ok. Toi, ta gueule. Regarde ça. Tac. Oh, merde. Non. Putain, je... Bouge pas. Je vais t'ouvrir en deux. Encore une fois, tu seras en 4 boum, mon gars. Ça s'appelle une mitose. Hop. Cha. Hi. Hiya. Oh. Waya.
Y'a rien d'autre au-dessus là? Oh. Non? Non, bah non. Hop là, ta gueule. Ta gueule. Hop. Ça c'est bon. Ta gueule. J'aime bien ce jeu. Et je sens que chaque boss va être d'une vénéritude de design assez, assez ouf. J'ai assez hâte en fait de voir. C'est hâte comme la bagnole, ouais. J'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont nous offrir au niveau mob. Et ici, c'est vrai que ça pue le boss, la boss room de ouf. Ah, fuck! Oh putain, il m'a séché le cul. Vos gueules! C'est incroyable ça! Oula! Pourquoi il était en rouge lui? Hop là! Alors attends. Je vais me recharger de ferveur sur vos gueules, mon gars. Wow! Fuck! Non, pas encore! Hop! Flaque de bite! Bouge pas! Attention, deuxième flaque de bite! Vas-y, lance-moi ton truc, je m'en fous, moi. Ok. Allez, on y retourne. Alors. Est-ce que tu penses qu'il faut le faire genre. Comme ça? Ouais, ça va être très très long et très très chiant, non? Ok, lui il peut. Lui il me loupe. Haha! Tac! Ting tong! Voilà! Et comme ça! Ouais, c'est simple en fait! Vous avez acquis vertèbre de Jean! Mais ça va pas lui faire défaut le mec! il est d'accord! Mais, non! Non! La 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 Ah merde. Oh putain. Le jeu il est pas dur, c'est moi qui le rends difficile en fait. Putain, il y a plus aucune limite sur les émotes en fait. Oh merde encore. Oh putain ce spam. Arrêtez. Eh, fais gaffe où je mets une restriction de une seule émote, les mecs, hein. Je suis cap, hein. Attends, on peut aller tout en haut, tu crois? Là, là, non, on peut pas, on peut pas, on peut définitivement pas. Tac, lui, il me niquera pas. Ah, mais je peux taper dedans! Je peux taper dedans! c'est mon moment Eureka Interstellar, mon gars. Je peux taper dans les trucs qui m'envoient. Je suis pas forcément forcé de les parer, en fait. On dirait les gros chats de streamer cancer, genre forcé le docteur disrespect. Ah ouais, non, commencez pas, les mecs. Tape dedans, je peux... D'accord, Marion. 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 Ouh, hop là. Vous, je vais vous enculer de façon chrétienne. Hop là. Je suis vraiment une merde. Attends, on va mettre notre théorie à l'essai, d'accord? Ah oui, voilà, donc je peux taper dedans. Toi, ta gueule. Toi, de la même manière. Pourquoi j'ai pris de la vie? Parce que quelque part, la vie est un miracle. Moi, je trouve que tu es vachement fort, Uru, in-game et IRL aussi. Oh, d'où il dit, ça c'est gentil, ça. Premier compliment de ce soir. Ah, ce soir. Allez, tape-moi, tape-moi. Haha, merde. Vas-y toi là. Ting. De toute façon, je m'en fous, je te... Ah, oh, fuck. Attends. Petite flaque de bite. Je descends et je vous encule tous. Hop là. Ici. Ouh. Prends ça vite. Hop, hop là. Ouh. Allez, on n'y en parle plus. on passe ça. C'est bon, ça n'existe plus. Oh là là. Comment on fait là? Ah donc moi qui dis que vous manquiez, c'est pas un compliment. Mais si, pas un compliment, c'est plus une admission que t'es un petit peu, bon voilà, un peu émotionnel, t'es un petit peu peiné. Mais oui, si, quelque part c'est un compliment. Même venant d'un antiphysiste. Flacon de bile vide. Ah nice, et du coup je vais pouvoir me remplir la bile, si je puis dire. Du coup, est-ce que j'ai trouvé d'autres trucs de rosaire? Non. Relique, apparemment non. Les prières, ok, donc ça c'est mes sorts. Et les capacités. Miracle sanglant, atteint la maîtrise de la technique du lancer de sang béni. Après le lancer, le projectile provoque une explosion sacrée à son point le plus éloigné, ce qui inflige des dégâts supplémentaires, consomme de la ferveur. Oh, c'est super cool ça. Mais je veux ça, moi, je veux un hôtel de mea culpa. Pourquoi je peux pas avoir? Oui, va bientôt dormir dans mon appart et dans mon lit alors. Je suis parti 10 minutes, je reviens, c'est tout pédé dans le chat, mais je sais pas. C'est eux, ils font n'importe. Thank you.
quelque part. Est-ce que. Et tu vois, c'est ce genre de truc là qui me dit que finalement la vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être. Putain, putain, mais c'est chier. Eh, lui, si je le retrouve IRL, je vais aller à l'église à Nantes et on va voir s'il est là. S'il est là, mon gars. Oh putain. Toi, ta gueule, voilà. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. On peut plus avoir confiance en personne. Rui, il va jouer la lutte gréco-romaine avec. Huilé à poil. Tu te coupes les ongles rats, hein, funéraire. J'ai pas envie de. Pas que tu m'arraches un bout de muqueuse. Ah, fuck, il m'a fouetté le cul. Oh. Mais j'oublie où ils sont les pics. Allez, vas-y. On se concentre. Là, c'est bon. On arrête les conneries. On arrête les conneries. Là, ça part en cacahuète. Tu le sens. Ah merde. Tu le sens le délire là. Hop. Voilà. Non. Oh putain. Ok. Hop. Hop. Voilà. Lui. Je m'accroupis. Puis. Lui, franchement, hein. En plus, il me fait développer un accent. Tu vois, je suis pas anti-religieux plus que ça, tu vois. Mais. Ah, je vais commencer à le devenir peut-être. Le gay, ça déconcentre. Mais oui, je crois que je suis en train de choper le gay, les mecs. J'ai une forte envie d'écouter du Christophe Maé. Je pense que c'est un signe déjà. Et je trouve que Garou, c'est un bel homme. Ah, putain de sa mère. Oh là là, c'est Lilou. Mon bébé, tu sais quoi, vas-y, on va pas prendre de risques. Si j'arrive jusqu'en bas sans me faire niquer par le gars, je gagne quoi? Allez, si j'arrive jusqu'en bas sans me faire niquer par l'autre con avec sa croix gammée, je gagne quoi? Hop là. 100 bits. T'as 100 bits, vas-y, les go. Hop. Je suis en train de fermer les yeux parce que j'ai pas envie de voir le chat. J'ai foutu ma main, j'ai pas envie de vous voir vous foutre ma gueule. Je regarde pas, j'attends que ça passe. J'attends qu'il y ait assez de flood pour pas voir. Oh putain. Oh la vache. Le chat, il ressemble plus à rien, les mecs, c'est pas possible. Je garde mon pognon alors. Ah bah là, oui. Là, tu gardes tout, poto. Tu gardes tout dans la bouche, comme on dit. Tac, file-moi ça, file-moi ma ferveur. Le message mis en avant et tout, les tags. Oh là là. Local man gets bullied on stream, gone wrong, gone gay. Local Florida man gets gayed. Gets gayed on. Mais je voulais avaler, moi. Eh oh oh. Ça va? C'est. Oh putain, heureusement que j'ai des réflexes hors du commun parce que sinon ça aurait été galère là. Ha ha! Oh putain, comment je l'ai enculé lui! Hop, je récupère mon âme. Tac! Oh. Attends, je vais lui renvoyer dans la gueule, regarde. Ting! Yeah! Oh là là là, c'est de pire en pire. Je le sens pas. Ok, vas-y, je me casse direct. On réfléchit pas, je me casse. Des réflexes hors du commun! T'as pas les mots nullos, faudrait je dis ça comme ça. Mais on a déjà gros loser, on va pas faire connexion des émotes qui nous insultent enfin. Eh mais non, mais j'ai tapé dedans là. Hop, attends, bouge pas. Ah fuck. Voilà. Ok. Alors, voyons voir. Ça y est, on se concentre, cette fois-ci on la passe. Là. Arrêtez de se faire emmerder par les cubelli. Hop, hop, hop là. Vous avez déjà fait de la catéchèse ou des cours de religion, un truc comme ça? Franchement, à chaque fois, j'en ai fait un tout petit peu, tu vois, parce que j'étais dans une école privée avant. Et tous les mecs, ils sont tous fous, en fait, dans le métier. C'est incroyable. Les gars, il y avait une nana, j'en ai parlé déjà, une bossue, tu vois, qui nous faisait la catéchèse. Elle était complètement illuminée, elle avait vu Jésus, elle. Hein. Ok, je peux lâcher ici. Hop, hop. Oh la vache. Je ressens la lumière de Jésus. Hop, voilà.
École catholique, mon pote, collège, lycée. Ah oui, Dwelly, t'étais avec vraiment des pères, toi, en plus. Parce que moi, dans mon école, comme en privé, c'était des profs normaux. Mais toi, je crois que t'as été vraiment éduqué par des prêtres, non? Il me semble. J'ai fait de l'acrobranche. Et niveau religion, bon, écoute... J'ai fait beaucoup d'acrobranches, j'ai fait pas mal de paintball à Kelnuk, c'était cool. Oh, quel connard ce mec. Frère Arsène, il m'a terrorisé. Putain, frère Arsène, poteau. Oh la vache, c'est quoi ça? Remplir le flacon biliaire vide contre 500 church dollars. Allez. Les church dollars. Y'a rien de caché ici. J'ai pas trop regardé s'il y avait des trucs planqués. Je pense que j'ai passé pas mal de trucs. Des Christian dollars. Ok, alors. Les sim flouzes. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces emmerdes ici, là? T'as vu le bordel? Chouffe le bordel, j'ai envie de dire. Chouffe le bordel. Attends, regarde, on va tous les niquer. Hop. Oh, putain, comment je suis pas mort? Haha, merde. Attends. Voilà. Ça a rien fait. Voilà. J'ai jamais fait quelque chose qui a autant rien fait. Ça me paraît étrange. Ok. Vous, vos gueules, je vais déjà clear ça. Oh. Ah, fuck, je me suis pris un coup de cloche. Ok. Ah. Ouh. Oh. Ok, attends. Comment je peux... Lui, il va me saouler aussi, il va falloir que je l'encule vite. Ou alors je passe juste. Oh, écoute. Non. Faut la taper quand elle arrive là, je crois. Ah, tu t'es resté peu de ta jauge de mana alors que ça fait le ménage. Ouais, j'arrive déjà pas à taper dans une cloche. Tiens, regarde, jauge de mana. Ouais, c'est pas mal. Attends, le moment où ça revient, ça. Je fais ting. Haha. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai débloqué le passage. J'ai niqué le puzzle. Je suis plus ou moins le Metroidvania Master. On m'appelle comme ça. D'ailleurs, à la Mégafar, je m'appelle comme ça dans l'équipe. Il m'appelle pas Ruru, il m'appelle pas Nicolas, il m'appelle Castlevania Master. My name's John Castlevania. Yes, j'ai fait tomber un truc. C'était mon prof principal et prof de maths, je pouvais pas le skip. Je pouvais pas le church dodge comme ça, quoi. Nicolas Duchesne, c'est moi. Comment tu connais mon nom de famille, toi? On l'appelle l'autre. Allô? Pounz? Y'a Pounz qui crie, je crois. La vieille avec sa cloche, on dirait moi quand j'ai faim et que je suis au lit. Ding, ding, ding! Mon brave, des boules au fromage à 40 centimes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh non! Non! Oh non! Putain, encore! Fais chier, je suis sûr que j'étais pas loin en plus. Je suis sûr que j'étais pas loin du reste. Ok, c'est pas grave. Maintenant on connaît par cœur. Tac, on va tout dodge. Lui. Et oui, je connais ton point faible. Et hop, voilà, je suis immortel, les gars. Comme Kanye West. Ta gueule. Tiens, tous vos gueules. Les mecs, ils disent, oh là là, comment c'est-il en fire la messe? Alors que quand t'étais dans une église pendant l'IRL et qu'on a fait un petit message personnalisé dans le livre d'or de l'église. Mais, je crois que Spider, il est vraiment, genre, comment on peut dire, il est maudit, en fait. Il est excommunié, en fait. Ça, oh! Bah, ça marche maintenant, ça? Bon, gars, je vais faire tourner les serviettes. Je crois qu'il faut que j'éclate une autre chaîne. Ah, fuck! Voilà. Tac. Hop là. Hop. Et ah, oh, fuck! Oh, il m'a déjà gueule, il m'a récupéré en l'air, mec. Hop, hop, hop. Voilà. Du genre, voilà, pas dégueu ton église, mais plus long. t'as pas dit les trucs sur Satan ou je sais pas quoi, là? Comme tu le fais souvent, d'ailleurs. Espèce de païen. Hop. Ouh la vache. Et hop. Frame skip. Pas con. Pas folle l'arbitre. Je vais me claquer
deux petites fioles de bites sur le visage. Salut Pseudo, ça va mec? Salut tout le monde, et comme je veux pas me spoil, au revoir tout le monde, bon stream. Ah, c'est gentil de passer quand même, Pseudo, merci beaucoup mec. En enfer, il y aura mon père, ça va être cool. Putain, c'est le truc le plus vénère que, que j'ai lu sur ce chat. Ok. Mec, tu te souviens qu'on avait rigolé devant les tombes pour enfants dans Nantes? Va falloir me rafraîchir la mémoire parce que là, j'avoue, ça me paraît assez indécent. Alors, ça nous ressemble, hein. Mais je m'en souviens pas, non. En tout cas, ce sera mon... Ce sera mon plaidoyer devant le juge, en tout cas. Hop, t'as ta gueule. Hop. Attends, je suis mort là-bas, là. Ok. Non, par contre, on va faire niquer ta mère. Non, excuse-moi. Attention. Tac. Tiens. Sale... Non, parce que je respecte mon prochain, mais sale toi. Ok. Dis-moi qu'il y a un raccourci, un truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Yo, je passe juste pour dire bonjour, je retourne mater le The Event. Tant pis pour toi. Merci Slay. Salut mec. Alors attends, what? Hein? Nani? Hmm. D'accord, ok. Faut que je... Si je fais ça, ça remonte. Tonk, 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 tonk. D'accord. Eh ben écoute, je prends. Vous avez acquis nœud de la corde du rosaire. Oh là là, c'est quoi encore? Nœud de corde tressé à partir de fils d'habits de moine mort dans l'ancien... Oh là là, j'avais pas vu. Y, oh putain. Les mecs, ils se sont dit, vas-y, les gens, ils se font pas chier à regarder trop le scénario pour Dark Souls, mais ils font des textes longs, vas-y, fous un truc. Oh, les fibres de vêtements de moine mort. Oh, ce groupe de black metal, putain. Tiens, ta gueule. Hop. Oh, le bordel. Ok. Toi, voilà, nique ta race. Moi, si je peux avoir une promotion pour devenir mec qui torture les nouveaux venus assez rapidement, ça me va pour l'enfer. Ouais, mais je crois que c'est chiant. Je crois que niveau promotion, niveau carriérisme, c'est pas top top l'enfer. Je connais des mecs, ils sont restés des années avec le même job. Puis quand c'est nettoyer les chiottes, si tu veux. Ok. Surtout après des gens comme Saddam Hussein ou Ben Laden, c'est chaud, tu vois. Hop, 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 hop. Et bah voilà, easy. Oh, oh, attends, y'a Rayman au-dessus. Attends, reviens. Petite plateforme, hop, comme ça. Tac! Bon, merde! Attends, je vais la choper, le truc avec les lumières dedans, là, je sais pas quoi. Attends! Chat! Fuck! Attends. Fou! Tout! Ah, putain! Je crois qu'ils font un truc ici, hein. Ok, pas ici. Attends, il doit y avoir un prix Dieu dans le coin, non? C'est obligé, ça fait un moment qu'on n'a pas eu, là. Enfin, c'est obligé, non, ils sont pas obligés de rien du tout, mais. Qu'est-ce que c'est? Mont de l'éternel crépuscule, yes. Eh ben j'irai pas en vacances. Y'a pas un prix du coin là? Ça met nous ça? Ça met nous. Iperlati emularissa moulala. Je retourne là-bas. Ok. Ah. Et puis niveau torture, généralement, eux ils prennent ceux qui ont déjà été très créatifs de leur vivant. C'est vrai que moi le seul truc que je torture c'est les haricots verts quoi, donc quelque part moi j'aurai un job de merde. S'il peut me foutre à la communication, si Satan il a besoin d'un graphiste, moi je veux bien aider. Il doit avoir un Photoshop illégal, mais bon. Écoute, si ça peut aider des copains en difficulté. Alors qu'est-ce que je viens d'activer là? Ah, j'ai activé ça. Et bah voilà, c'est bon, je peux mourir. Je peux mourir tranquille. Ça fait pas long sur le CV les haricots. Bah je sais, c'est le problème. C'est le problème, mais faudrait que je me... Faudrait que je fasse, de la prospecture. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, je lui ai pété la cloche. Désolé, poteau. Ah, oh là 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 là. C'est chaud. File-moi une fiole de bite. Attention, évocation. Ah, mais il est con, lui. Voilà, allez. Niquer ta mère. Alors lui, par contre, il va me saouler en bas, c'est ça. Et qu'est-ce que ça mène nous, là? Non, là, ça mène à rien. Loupé! T'as vraiment une merde!
Sam, qu'est-ce que c'est ici, là? Parce que je peux clairement pas sauter jusque là-bas. À mon avis, il y a un truc avec les... Tu vois ce qu'il y a devant lui, là? Ah, t'as vu, là, Zizi? J'avais pas vu, mec. Il a une petite bite. Mec, on peut voir sa bite. Attends, vas-y, je vais zoomer dessus. Attends, regarde. Attends, merde. Oh, le con. Attends. Mec, on voit sa bite. Attends, bouge pas, faut que je vous montre. Je crois que vous voyez pas. Attends. Elle est où cette bite, là? Attends, mais elle est où cette bite? Pourquoi ça marche pas? Mais laissez-moi montrer sa bite, putain. Mec. C'est ASMR est dégueu. Vas-y, je peux même pas vous montrer sa bite là, il y a un pixel, on voit les couilles. Ça m'énerve, ça me frustre. Je vais aller lui couper après. Je vais aller nettoyer tout ça. Circoncire. Non mais t'inquiète, ça va. Oh, fais pas ta majorette là. Fais pas ta mijotée, on sait très bien que t'aimes bien ça. Attention. Bon, c'était par où les ça là? C'est ici? Ça mène par où ça d'ailleurs? Fais voir. On va aller visiter ça tranquillos. Oh, il y a encore un bébé. Allez. Oh, c'est super long, il est où ce truc? Oh, allez. Merde, j'ai activé un truc? Non, c'est bon. Voilà. Oh, non. Ça a vraiment été dev par des grosses putes. Hein. Vraiment. Vraiment, ça se fait pas, quoi. Oh là là, non, pas lui. Non, laisse-moi remonter. Non. Vite. Non. Oh, yes. Ah non, du coup, ça va redescendre. C'est pas grave, je serai prêt. Tiens, putain, je suis pas prêt. Attends, je vais le buter parce que sinon, il va saouler. Voilà. Ok. Oh putain. Ah là, ta gueule. C'était par où? C'était par là-bas, je crois. Mais quel bolos, mais ta gueule, toi. Qu'est-ce que t'en sais, des plateformeurs? T'as fini Cuphead? Je crois pas, non. Moi non plus. Ça me fait marrer comment tu montes. Ouais, c'est moins classe que le reste du jeu, ouais. Alors attends, faut qu'il vienne la plateforme, mais faut que j'attende qu'elle reparte. Ta gueule, toi. Attention, on loupe pas le départ. La minute d'arrêt, voilà. Tac. Oh, yes. Tac, ta gueule. Alors, j'ai eu 2 bébés sur 38. Voilà. C'est le score d'Emile Louis, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y en a encore un. Putain, mais c'est quoi ça? Et les petites mouches. C'est quoi les petites mouches? Attention. C'est quoi les petites mouches? Merde, c'est pas ça. C'est quoi les petites mouches là? Il y a les petites mouches rouges. Bon, on verra plus tard. Je suis sûr que c'est un truc ça. C'est un aspect de gameplay ça. Je suis pas game designer mais... Attention. Tiens! Je suis sûr les mouches c'est des plates... Oh, bonjour! Bah, tu fous là toi? Quatrième orteil de grès. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je reviens là! Ah, donc c'est de la merde! Bon, t'as de la chance. Ouais, bon, bref, ok. Daddy shoes. C'est pour faire joli, c'est moi qui ai mis. J'ai mis des petites mouches rouges. J'aime bien, ça allait avec tout le thème. Ok. Bon, j'ai hâte d'arriver à un truc blasphème. Non, pas déjà! Putain! Je vais boire un peu de Fanta. Hein. Ça va vous sinon? Vous êtes chaud pour voir du Fallout 4? Est-ce que vous préférez que je monte Sessions avant Fallout 4 ou après? Parce que je pense pas qu'on va y rester très longtemps sur Sessions, c'est très particulier. Je pense qu'on va juste parler des mécaniques pendant une petite heure après. Sessions après? Ok, d'accord. Hop. Avant, après. Ah, il y a plus de après.
hop, 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 hop. Voilà. Roche 24 sur Sessions. Oh putain, mec. Oula, d'accord. Donc pas ici. Alors, attends. Voyons voir. Ça se trouve, je peux retomber sur Jésus-Christ, là, en éclatant des gens qui brûlent. Ils sont vraiment cons, les hommes taureaux, là. Ils servent vraiment à rien, ouais. Tiens, ta gueule. Tiens, ta gueule. Hop, esquive. En plus, vous, vos munitions, elles reviennent pas. Du coup, je m'en fous, je suis à l'abri. Un connard. Par contre, tu saoules. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Y'a rien à part, mon ami Totoro. Ah! Oh! Je sais pas. Oh! Attendez, attendez, déconnez pas, les mecs! Déconnez pas, les mecs! Oh, les cons! Oh la vache, il m'a enculé, lui! Oh la vache! Attends, 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 attends. Oh, oh, oh. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Évocation du futur! Bouge pas, je me claque une. Ah! Putain, j'ai pas eu le temps de me claquer une couille. Bon, attends, tu sais quoi, on va pas venir là. Ouh. Je sais même plus ce que ça fait, les petites. Mirobolantes là. Les petits trucs de feu. Ouah. Yes, 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 yes. Ah, yes. Allez, c'est bon, je peux y retourner. C'est le seul truc qui choque après tout ce qu'il vient de dire. Tu bois du Fanta. Mais quoi? Mec, c'est super bon, Fanta, t'es ouf ou quoi, toi? Je suis sûr que t'es un de ceux qui boivent du Sprite là. Ah, putain! Pour se donner un genre. Alors que tout le monde sait que c'est pas bon du tout, le sprite. Ah, mais en fait, ça me décroche de la plateforme quand ils font ça, les connards. Hop. Ouahaha. Ouahaha. Hop. Hop, hop. Et hop. Chia. Wow. Oh. Oh. Trop rapide pour vous. Je suis le blasphémateur. Voilà. Tranquillous. Comment je fais maintenant? Comment je... Oh. Alors, à mon avis... Bah oui, mais oui. Ah non, si. Ah si, je peux descendre. Ah, d'accord, c'était comme ça qu'il fallait faire. Fallait se cacher en dessous, en fait. Mais je pense... tu vois, les petites mouches ici, là. Je pense que j'étais pas trop censé y accéder maintenant. Mais bon, écoute. J'ai sequence break le jeu. Ouh. J'ai sequence break le jeu, mais je m'en fous. J'ai peur de rien, j'ai rien à perdre, moi. J'ai 2341 charge dollars, quand même. Faut que je trouve un moyen pour les dépenser, parce que... Confrérie du chagrin silencieux. Eh ben, bah, écoute. Si ça peut les... Mec, si ça peut les servir... Fais voir un peu la map. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas trouvé? Oui, il y en a énormément. C'est pas grave. Tant pis. Oh, ouh, ouh. C'est quoi, tout ça, là? Qu'est-ce que c'est, patacouec? Qu'est-ce que c'est, grenouille de bénitier? Fais voir... J'ai pas installé beaucoup de mods d'ailleurs sur Fallout, mais on verra tout à l'heure. Paye-nous une pizza avec. Mec, pour 2400, pour 2341 en charge dollars, je sais pas si tu vas avoir une super pizza, mec. Hein. Tes chakras dollars claqués dans les capacités dans ton menu. Oui, mais il faut qu'il y ait un hôtel pour, je crois. Oh. Bah, c'est pas normal, ça. Bah, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur, là? Qu'est-ce que c'est que ces patacouecs? Oh là là, il y a un truc, là. Et je crois que je peux pas les claquer direct là-dedans, mec, hein. Rejoignez l'hôtel de Mea Koopa pour débloquer une nouvelle compétence. Voilà, c'est ça, hein. Je peux pas pour l'instant. Ah, c'est ouvert, là. C'est quoi, ici? Je suis où, ici? Je suis... Ah, oula. T'as vu, j'hésite en grégorien. Ok. La vie est tellement une pute. Mais une bombe comme dans Zelda. Merci, connard. Heureusement que t'es là. Mais mec, c'est super bâtard en même temps. Il faut une plateforme, deux plateformes, trois plateformes, la mort sur ta gueule. Mange ta race. Non, ils me font balayer ma dynastie avec trois pics, les connards, quoi. Pêché. Ok, non, pas là. C'est là que je voulais aller, moi. Je veux pas me laisser emmerder par le trois pics. J'y retourne. Allez, c'est type. Oh, voyons. Tac, alors attends. Hop. Ici. Ici. Ah, ça s'effondre. Ah, mais je m'en fous, j'ai pas peur. Oula. Ça va être fun, ça. Ah! Oh! Ah oui, non!
Ah mais non, mais c'était même pas un poteau. Je m'en fous. Franchement, j'ai fait pire que ça. Attends, parce qu'il y a plein de portes, du coup. Il y a plein de portes qui mènent à des trucs différents. Loser. Je me fais bully Twitch. Quelqu'un peut tag Twitch pour qu'il vienne appeler Bully Hunter 74, là. Faites gaffe ou je vous fais dévérifier par YouTube, moi. Je suis un fou mental, moi. T'es mauvais, Jack. Non, tu vas voir, regarde. Allez, first try. Chat. Hop. Satan, il a besoin que d'un truc, c'est de beurrer un peu la fin des plateformes. J'ai glissé un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. Zip. Oh putain, les plateformes beurrées au beurre salé. La plus grande faiblesse du pénitent. Vous connaissez pas, vous êtes des païens, vous êtes des putains de possédés. Vous êtes niqués par Shaitan, tous là. Tous, autant que vous êtes. Je vais vous purifier, moi, par le Fanta divin. Parce que oui, c'est très très bon le Fanta, et tous ceux qui sont pas d'accord, c'est soit des sorcières, soit des communistes. Alors attends, faut que je m'écarte un peu du coup. Attention, cha! Oh! 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 Tac! Tac! Oh! Ouh! Ah! Tac! On attend là! Hop! On attend un peu tard! Ouh! Hop! Tous les connards. Hop. Et hop. Le tour est joué. Vous pouvez pas comprendre. Et hop. Vous pouvez pas comprendre. No one knows what it's like to be a penitent. To be a sad man. Behind blue eyes. Ça fait trois fois que je passe devant mon âme, j'arrive pas à la prendre. Non. Eh mais, je vais péter un câble. Je vais péter un plomb, mec. Allez, c'est bon, c'est la bonne. Je suis pas concentré là. Là, c'est bon, je suis concentré. Ça, c'est là, franchement. Là, cette fois, c'est la bonne. Allez, qui croit en moi? Allez, hop. Vous mettez un master shooter dans le chat si vous croyez en moi et un gros loser si vous croyez pas en moi. Allez, hop. C'est hyper. Je suis pas encore au stade de je mets une chanson pour me concentrer. Du coup, c'est bon. Ça veut dire que je suis bon. Ça veut dire que je suis tranquille. Là. Bravo le platformer. En plus, j'ai toujours été une merde en platformer. Pourquoi je me lance là-dedans, moi, comme un connard en plus? C'est incroyable, ça. Peut-être que quelque part, je suis en recherche de pénitence aussi. Ça, c'est possible. Regarde, tac, passe par là. Hop, on prend ça. On passe par là. Yes, j'ai retrouvé mon âme. C'est bon, les gars. C'est le good try. Hop. Casse ça. Ça sert à rien. Faut que je sais pas, ça se trouve, ça sert à rien. Ouais. Mais comment on passe? Ah oui, non, je sais. Hop, merde. Ah, merde. Oh, hop là. Eh oui. Ouh, c'est pas fini. Ok, il y a encore des petits pics là-bas, hein. Je veux pas me faire niquer. Hop, ouh. Ouh, ah, I got you all in check. Ouh, hop là. Alors, y a qui a cru en moi là? Y a Dwelly l'Oltruche, Airsox, Scholar, Madati. Si t'arrives, tu peux manger la glace qui reste dans le congèle. Oh! Les mecs, ok. Ok. Je fais ça, les mecs, pour une glace Toblerone. J'espère que c'est clair pour tout le monde que là je vais réussir. Alors là, c'est un peu chaud. Non, c'est bon. Hop! Cha! Hop! Ha! Ok. Ouch! Oh! 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 Trop de bisous, point d'info. Oh, attends, il y a une warp zone là. Non, je peux pas passer au-dessus, ok. Ha! Cha! Oh! C'est où?
C'est bon? Oh, c'est bon! Oh! Oh! La glace Toblerone, ça y est. Métatarse du Rikusho. Encore un métatarse? Ah, c'est bon, je pourrais aller faire s'enculer. Ah. Yes. Ah, il suffit juste de me promettre des Toblerone et franchement, je suis chaud. Hein. C'est quoi ça? Il ne s'est rien passé. Mais nique ta mère! Mais attends! Eh, c'est qui lui? C'est quoi? Ah, c'est ici! J'ai jamais douté de toi, Russiane. Quel connard, cette Choubi. Ça y est, ça retourne sa veste. Ah, je le comprends, Franco, à mettre des gens dans des camps de concentration espagnols pour foutre la merde. Pounz qui sait motiver les gens comme il faut. Ah bah oui. Hein. Pounz, elle est event manager maintenant sur LMF, donc elle sait comment... C'est des gens comme moi, ça, non? Avec leurs petits trucs sur la tête. Enfin, eux, c'est marrant, ils ont un forêt, moi. C'est plus un clou, en fait. Après, peut-être qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des clés, des crics. Je suis déjà passé par ici, moi. Attends, c'est... Qu'est-ce que c'est? Bah oui, je suis déjà passé par ici, complètement, même. Est-ce que... Hum? Qu'est-ce que... Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Là, je suis déjà passé? Non, là, je suis déjà pas passé, là. Si? Bah si, c'est le truc du début, ça. Je comprends pas. C'est pas de bon sens. Bah. Alors là, si tu me dis que j'ai fait tout ça pour rien, c'est vrai qu'on va rigoler. Ah. Ah. Non? Non, c'est bon. Je peux le skip en passant par ici, c'est bon. T'es passé par un hôtel de mea culpa. C'est quoi ça, là? Le truc avec la bougie, c'est un hôtel de mea culpa, ça? Attends, la légende. Montre-moi la légende. Prie Dieu, pénitent, hôtel de mea culpa. Donc c'est ça la petite bougie? Non? Non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la petite bougie, mec, hein? Il ne s'est rien passé en plus. Attends, parce que vous voyez une petite bougie quelque part, vous? Non, il raconte des conneries à RFS, hein? On est d'accord? Ha! Je te pète tes lampes! T'as fait ça pour une glace, c'est déjà mieux que rien. Oh, rien. Bonjour? C'est vous le mea culpa? Vous n'avez plus de culpabilité. Ah non, mais j'ai aucune conscience, du coup, c'est bon. Ah! Ah, je pense que je vais en avoir beaucoup de la culpabilité. Je pense que j'ai peut-être merdé d'ailleurs. Oh! Il ne s'est rien passé. Bah, pourquoi? Je crois. Ouais, je suis un peu avant. J'avoue, j'ai vandalisé la statue du prix José là. Devant, je voulais dire, t'es pas allé dans la salle. Faut que je remonte à RFS. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois. Je suis passé devant. Qu'est-ce que c'est que c'est pas d'Aquake? Et du coup, c'était quoi ça? C'était un confesseur. Je l'ai bien confessé là. C'était en dessous? Voilà, c'était en bas, d'accord, ok, ouais. Mais c'est ce que je voulais visiter après, en fait, après être allé au confesseur. Salut, t'as de la chance. Si j'avais pu te tuer, tu serais mort. La salle avec les trois. La salle avec les trois. Ah oui, ça, oui, d'accord. Ouais, ok. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est toi qui expliques mal. Mais c'est bon, j'ai compris. Je parle autiste, hein, donc... hop, non. Ah, s'il te plaît. Voilà. Alors, est-ce que c'est ici? Oh! Ah bah non, c'est qui ça? Voulez-vous donner un nœud de la corde? Bah, ouais. Nombre maximal d'emplacement de perles de rosaire est augmenté? Pas de réponse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une meuf? C'est un genre de gros papillon? Non, c'est une meuf, je crois. Il ne s'est rien passé. Mais, connasse! Tu vas me filer mes super pouvoirs! Espèce de... Non, c'est pas elle alors? Non, c'est ailleurs. Fais voir, c'est quel symbole, ça? Ça, c'est le symbole de... nœud. Ah, donc les nœuds, c'est une monnaie, c'était pas une relique. D'accord, ok. Ça commence à se mettre en place dans ma tête. Faut lui un Yarkao à la baie. Ouh, waouh! Oh, la salle de TP à la Castlevania. Oh, ça, c'est BG, ça. C'est pas du tout ça. c'est un peu ça, mais pas complètement. Cette God Hand, ouais, là, complètement, ouais. Je suis d'accord. Et donc là, j'imagine qu'il y a, y a ça, là. C'est le... Mea culpa, c'est ça? Oh, cinématique. Vos gueules.
Les cinématiques ont une gueule. Je suis fan. Il fait un peu Super Sentai quand même, notre personnage, mais... Ah, mais moi aussi, en fait, j'ai une petite... Pourquoi tu parles à 16, vos gueules ? Qu'on désigne quelqu'un pour discuter avec moi ? Je serai la parole de mes camarades. Je m'appelle Itineris. Ça pique quand je prends mon épée. Ah, mais arrêtez, ça fait super, mais... Oh là là, mec. Qu'est-ce que vous avez fait à mon épée ? Vous voulez pas donner le guet, hein ? Oh la vache. Le boss final, c'est Femto. D'accord, la vertu de Mea Culpa a grandi. Tu m'étonnes. Visitez les hôtels de Mea Culpa pour augmenter la puissance de votre épée. Vous pouvez dépenser les larmes d'expiation. Ah, des larmes d'expiation, dis donc. Pour débloquer les techniques de combat. Visitez d'autres hôtels et augmenter la force de Mea Culpa pour accéder à des techniques. Ah, donc, mon épée, c'est Mea Culpa, en fait. D'accord, c'est le nom de mon épée, Mea Culpa. D'accord, vous avez pu choisir un truc un peu moins vénère, mais ça me va. Donc, donc ça c'est le lancer de sang béni, et j'imagine que, de toute façon je peux même pas le prendre en fait ça. Ouais, j'ai pas le droit de le prendre ça, ok. Je vais faire quoi ? Pénitent assène une quatrième attaque pour conclure son combo, c'est pas mal, ça coûte 2000, ah c'est cher quand même. Imprègne la lame du pouvoir de Mea Culpa, Pénitent peut alors déchaîner son plein potentiel en une seule attaque dévastatrice, ça c'est pour maintenir X, d'accord. Et je peux éviter une chute du... Nanana. Pénitent profite de l'élan de l'esquive pour enchaîner Mea Culpa. Déchaîner Mea Culpa, Sur quoi on parle, les potos? Celle-là, je m'en fous un petit peu, je pense. La rage pécheresse et le dernier combo, je pense que je l'aime bien, mais ça aussi, là, les stocks juste après l'esquive, c'est pas mal. Je pense qu'on va prendre les deux, là, en fait. C'est ton stinger. Bah oui, mais complètement, en fait. Ça, c'est un stinger, ouais. On prend quoi? On prend... parce que limite, en fait, on peut prendre les trois là. Attends, ouais, c'est ça, on peut prendre les trois là, ou alors celle-là et celle-là. Et stock, vous voulez stock? Bah du coup, on va prendre les trois là, on va pas s'emmerder. Ouais, débloqué. Blip. Ah, c'était bien. La vitesse de chute, ouais, mais au pire, on s'en fout un peu. Prends le combo, bah trop tard. Les attaques dans l'arbre de compétences sont tellement cool. Ouais, t'as vu ça sur le côté là? Ah, ça a une gueule. Donc je vais prendre ça, surtout la rage pécheresse, parce que j'aime bien le... comme Valérie en fait. Et ça, donc Mea Culpa 1, j'imagine qu'il faut la... il faut que je me remplisse la Mea Culpa en fait pour avoir accès à d'autres trucs, je sais pas comment ça se... comment on fait ça, mais alors voyons voir. Jotaro. Ok, et donc ah ça bah... Bah comment je fais? D'accord. C'est vraiment dans l'esquive, ouais. Non mais il est con. C'est pas facile à mettre en place, hein. C'est cool, mais en plus, il répond pas tout le temps le dodge. J'avoue, j'ai plus l'habitude du dodge, justement, en Castlevania, où tu peux spammer, en fait. Sinon, t'as oublié un hôtel. J'ai oublié un hôtel. Faut faire une longue esquive pour pouvoir placer les stocks. Bah oui, mais en fait, j'ai pas trop le choix. C'est juste que c'est au niveau du timing, en fait. Il faut vraiment que je le foute en plein milieu. Faut que je tape en plein milieu de mon esquive. Ok, alors par contre, j'avoue que je sais pas du tout où je dois aller après, moi. Là, c'est... Jondo. Mont de l'éternel crépuscule. Après, là, faut que j'aille après, ici, peut-être. Mais non, ça, je pouvais pas encore. Je sais même pas si je peux maintenant. Et là-bas, je peux pas aller non plus. Bah écoute, on va redescendre, hein. Je pourrais me téléporter pour retourner... tiens, on pourrait voir si je peux pas retourner justement dans la... dans le village de tout à l'heure. Ça se trouve, il y a des trucs à récupérer là-bas. Des gens à qui parler, les tuer... T'as le choix. Ah, j'aime pas avoir le choix, mec. Je déteste avoir le choix d'où je peux aller. Parce qu'après, ça me fait paniquer. On dirait des bretzels, cette échelle. Attends, la TP, c'était en dessous. Je me suis gouré. Je sais, ça m'arrive rarement, mais... Là. Là, j'ai chaud, moi. Alors, attends. Si je retourne dans le village de Albero. J'étais déjà allé à Albero. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un autre endroit, du coup, parce que j'ai...
mais d'accord. Ok, c'est la même map, je croyais que ça allait me changer de map. Non, 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 ok. Ok, ok, d'accord, non, c'est bon, j'ai compris. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh, et puis en plus, il y a une mon cul, là. Bah, tu sais quoi? La vertu de mea culpa a grandi. Est-ce que ça veut dire que je peux avoir les niveaux 2? Oh. Oh, merde. D'accord, donc plus tu débloques, plus tu découvres de mea culpa, plus tu augmentes le niveau, en fait, de ton épée. Ah, mais c'est vous, l'épée corps. Oui, oui, j'avais oublié que vous étiez là, bande de cons. Attends, je peux aller par là-bas? Non, y'a rien là, ok. Et là, ça met nous... Ok, voyons voir. Ah oui, d'accord. Oui, parce que ça, tout ça, je l'ai pas fait, en fait. De quoi? In this place, we gather the remains of those who were separated and forgotten, so we can grant them holy burial. J'ai aucune idée de quoi tu parles, quoi. Ok. Salut Tobac, c'est un mec. Oh, y'a un... C'est quoi? C'est une... Ah non, c'est une meuf, je crois que c'est un petit chien. Désolé, madame, pardon, excusez-moi, madame. Ok, ouh, là, y a du bordel, là. Phalange de Brannon. Attends, parce que oui, je peux aller placer mes reliques maintenant, non? Toute logique confondue. Là, je peux pas rentrer dans cette église, non? C'est le village de Hero 4. Le village de Hero 4 avec la soundtrack de Diablo, ouais. Ouais. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, ouais. Donc du coup, ça, c'est ma salle de... Celle-là, ça. Ça, là. Ça, c'est ma salle des reliques. Est-ce que ça fait quelque chose quand je les mets? Là, là. Absolument pas. Ça ne fait rien du tout. C'est quoi? C'est pour les achievements? Ou alors peut-être que ça débloque un truc à un moment, mais... Ouais, carte non disponible, d'accord. Et là, il n'y a rien non plus. Ok. Ok, donc pour l'instant, ça sert à rien. J'imagine après, au fur et à mesure, ouais, mais pour l'instant, ça sert à rien. Même si on fait un puissance 4 avec les reliques, je pense que ça servira à rien. Et ensuite, c'est pour aller dans la citerne profanée. Et je crois que j'avais... Est-ce que tu penses que je peux aller maintenant dans la citerne profanée? Est-ce que ça peut... Est-ce que cet estoc pourrait m'aider? Ah non, parce qu'en plus... Ah ouais, non, ça... Bah non, en fait, ça me sert à rien, cet estoc à la con. Hein. Parce que je peux pas faire de glissade hors d'une plateforme, en fait. Ça me propulse pas plus loin dans la plateforme. Donc en fait, ça me sert à rien. Pour l'instant, je vais pas pouvoir y retourner. On va continuer dehors, là. Arrêtez de vous pleurer. Regardez, là, elle est pleurnicharde. Il met les mots. J'ai mal à ma femme. Ouh, merci, Tomac, pour 500 belles grosses bites. Pour toi, grosse cochonne. Eh ben, yon. La vache, il se permet, le mec. Hein. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup, man. 500 bites, waouh. J'ai jamais vu autant de bites. Ok. Ruru, j'ai trouvé ton Facebook. D'accord. Ouais, j'ai une page Facebook, ouais, sur... Bonsoir. C'est qui? C'est une femme, ça. Madame? Va falloir partir maintenant, madame. Madame? Ça vous dérange si... on voit les kékettes des mecs... Attends. Oh la vache! Ah, mais on va chier, en fait. Donc ça, c'est un coup. Oh la vache, je lui ai arraché un bras. C'est où, là? Mais il me crame plus, maintenant. Ah, c'est des vrais gens, en fait, maintenant. Tac, je suis désolé, mais... Mesdames et messieurs... Oh là! Des messagers! Qu'est-ce qui se passe dans le jeu, poteau? Alors là, ici, c'est de la merde. J'ai entendu kékettes. Ah bah oui, mais on en voit depuis tout à l'heure des chomblards et des kékettes. Ah putain, il m'a... Oh, les connards! Ah, il m'envoie des cailloux à la gueule. Bonjour, l'âme. Oh! Et stock! Oh! Oh, le truc, c'est tellement animé, poteau! Attention! Ouah! Oh, c'est cool! C'est vraiment, vraiment très, très cool. Le jeu est vraiment super stylé. Et ouais, je pense que j'y jouerai encore. Est-ce que vous voulez le voir? Ça se trouve, vous voulez le voir en entier? Dites-moi dans le chat si vous voulez le voir en entier. S'il y a une demande, je pense que j'essaierai de le faire. Peut-être pas pour les Friday, mais sur d'autres trucs. Mais parce que je pense que ça va être plutôt intéressant. Et c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté Castlevania pour l'instant. Putain, il m'a enculé, là. Attention, ferveur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non.
Et j'arrive pas à déclencher les stocks quand je veux en fait. Du coup, tu me dois un sub. Pourquoi? J'ai rien fait moi. Mais oui, c'est cool. Oui, pourquoi pas. Ok, bon, on verra alors. Salope. Donc lui, il a un bouclier qui empêche les gens de se téléporter derrière lui, quoi. C'est vraiment super spécifique à demander une église. Oui, une église. Hop là. Hop, hop, hop. Attends. Ouh, y a pas les trucs cachés, là? Ça me paraît bizarre. Là. C'est les trucs que je vérifie pas assez, en fait. Fais voir. Ça fait quoi quand on meurt? Tu recommences depuis le début. Je recommence au dernier hôtel que j'ai activé. Voilà. Vous, vos gueules. Toi, TG aussi. Eux, là. Tiens. Ah. Est-ce que je peux parer leurs cailloux, tu crois? Non? Arrête. Ah, c'est bon, ils sont cons. C'est les gars. Ah oui, dès que tu te rapproches, les gars, ils se chient dessus, quoi. File-moi ça, j'ai besoin de thunes, du coup, pour prendre le coup de loin, là. Je pense que ça va être le prochain truc nécessaire. Oh putain, il y a encore des bébés là. Attends, faut que je chope ce bébé là. Non, il est trop loin. Je pense que je pourrais pas le choper. Hop. Oh l'enculé. Voilà. C'est super satisfaisant en tout cas. Les coups, les effets, les réactions, y a rien qui dérange. Hein. Même au niveau du platforming, même si je me pète la gueule en permanence. C'est pas assez chiant pour être frustrant, tu vois. C'est vraiment très agréable, même de se péter la gueule. Et ça c'est fort. Parce que même moi qui suis une énorme couille en platforming, aucune rage présente. Ah. Voilà. Toi ta gueule. C'est vraiment pas nécessaire. Ok, donc il y a plein de trucs à visiter. Oh la vache. De toute façon, je pense que je couperai dans pas longtemps pour aller sur Fallout 4, hein. Pas Fallout 4-1, hein. Ah, bah vous faites comment, bande de cons? Ah, d'accord, comme ça. Comme ça. viens là, toi. Viens. Attends la suite avant de dire que c'est agréable. Bah, je veux dire, si le gameplay, il est cool maintenant, même si le jeu, il devient frustrant après, le gameplay sera toujours cool. C'est à moins qu'il défonce le gameplay en rajoutant un truc, Ok, donc les échelles. Ok. Ah, oh. Voilà. Tout se passe bien, il y a aucun problème. Oh là, c'est Jésus? Bonjour Jésus, tu me donnes ça? Merci Jésus. Cœur de la vertueuse douleur, je peux pas lui en couper la tête, quoi? Équipé mea culpa d'un cœur d'épée pour modifier ses propriétés, il offre de puissantes améliorations mais toujours à un prix. Wow. Je peux voir ça maintenant? Je peux pas l'équiper. Agenouillez-vous en terre consacrée pour reforger le cœur de mea culpa. Le cœur d'une épée peut s'enchasser, renforce la parade et augmente la durée. Ok. Et il faut que je m'agenouille dans un truc? Dans quel... Comment ça? C'est tous les FX, sont les petites animations qui font que le jeu est agréable à jouer, plein de petits détails qui te font te sentir fort même si tu te fais rouler dessus. Bah oui, y a rien de... Rien de gênant, quoi. Je viens de me buter, en fait. Et du coup, j'ai plus la... Oh putain, en plus, je suis tellement loin. J'ai toujours le cœur de vertuosité. Est-ce que tu penses, du coup, que je peux aller au truc de mea culpa? Donc ça va, en fait, on peut se taper en claquant. Ça, c'est bien, on peut se taper en claquant. Non, mais c'était fait exprès, les mecs. Je vais pas vous expliquer les tenants et les aboutissants d'un vrai Major League Gamer, mais voilà. C'était fait exprès. Mea culpa, c'est tout en bas. Yes. Je pense que c'est ça. En terre consacrée. Je sais pas si ça veut dire trouve un hôtel, mais... Ok, voyons voir. Bonjour, monsieur. Là, c'est bon, je peux? Non, je peux pas. Agenouillez-vous en terre consacrée pour reforger le cœur de mea culpa. Si c'est les hôtels, bah ouais, mais... Les hôtels de quoi? Parce que là, j'ai accès à rien, là. Hein. Non, j'ai accès à rien pour l'instant, mec. C'est un autre truc, un autre hôtel. Incroyable, ça. Et ils ont combien d'hôtels aussi, ces cons-là? C'est pas possible. Pénitent. Ah oui, non, c'est moi, d'accord.
Hôtel de save. Ah, dans une hôtel, un hôtel de save, d'accord, un prix dieu. Ok, je vais essayer de monter au prix dieu là-bas alors. Hop, 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 voilà. Mais je peux pas rester agenouillé au prix dieu. Enfin, attends. Attends, 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 parce que là c'est tout chamboulé là. Il y a tout qui se chamboule là. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre pourquoi t'as dit 3 étoiles. Ouais. C'est une grosse blague de merde en fait, c'était pas. Je pensais que tu me disais un truc rapport au jeu, mais en fait non. Ah, d'accord. Ok. Et donc maintenant j'ai une parade plus longue. Non ? Renforce la parade, augmente la durée. Bon bah apparemment c'est bon. D'accord, ok. Je vois, je vois. Et du coup bah je vais me TP. Ouais, faut que je me TP parce que sinon ça va être un peu long. Hein. Ok, ok. Non, c'est cool, c'est grave bien, comment ? T'es un petit peu paumé quand même, mais ça se résout en fait très très vite et c'est toujours plus agréable quand ça se passe comme ça. Se paumer dans un jeu, c'est pas un problème. C'est si t'arrives pas à te retrouver au bout d'un moment, ça devient relou. Mais là, c'est, en fait, c'est très intuitif. Je trouve que c'est très intuitif. J'accepte. Je prends. Je suis content. Je l'ai pas payé, mais je suis content. Le vrai connard, quoi. Le vrai fils de pute. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Non mais je l'achèterai, je pense. Je l'achèterai parce que je suis sûr qu'ils vont rajouter des DLC assez vénères. Tu les sens, franchement tu les sens là, les DLC avec des putains de run un petit peu à la Hollow Knight, tu vois. C'est pas comme ça, bah tu vois, c'est pas comme cette merde de Hollow Knight, mais c'est pas une merde Hollow Knight. Il est dur Hollow Knight, mais c'est pas une merde quand même. Pourquoi tu dis que c'est une merde? Tiens, parlons-en, pourquoi tu dis que c'est une merde Hollow Knight? Ça m'intéresse, savoir ce que tu penses. Cette femme est morte, voilà. Vous, vos gueules, ça, on ne marche pas là-dedans. Par contre, Hollow Knight, ouais, il est plus dur. J'avoue que c'est facile de se paumer dedans, mais c'est pas, non, c'est pas une merde quand même. Scholar, c'est juste un hater. T'as un problème, l'autruche, j'ai l'impression que t'es en train de faire un... J'ai été ce putain de jeu où je me paume tout le temps, c'est hyper frustrant, j'avance jamais. Ouais, bon bah ça, je ne peux que acquiescer. C'est vrai que je galère aussi, mais bon. De là à dire que c'est un jeu de merde, je trouve que tu pousses un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que je récupère en fait des Church Dollars quand je bute des ennemis. Donc il faut que je les bute en fait, je pourrais limite farmer. C'est un truc auquel j'ai pas trop pensé pour l'instant, mais c'est possible. HCNCF, c'est possible. Tobacdeus vient d'obtenir un nouveau badge 1K bit. Oula, ça en fait de la bit. Tiens, tu sais quoi, je vais visiter un peu en bas là, je suis pas passé en bas pour l'instant. Tu pousses mémé dans le bouton, bah oui. Tu pousses mémé dans les orgies. Ah, ah il est chiant à se retourner super vite lui. Hop. Tac, tac, tac. Oh, et ça fait quoi? Oh, ah, les exécutions, elles se déclenchent pas souvent, mais c'est une petite fête à chaque fois. Hein. C'est un petit peu comme Hanouka. Bonjour, qu'est-ce que c'est que cette emmerde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, quoi? C'est une femme assise sur un mec qui se bat avec un cerf, c'est ça? Je suis pas fou? C'est... Oh! Waouh! Waouh la vache! Ah putain, mais il est con! Attends, bouge pas! Tac! Mange ta mère. Bouge pas, je me claque une bite. Vas-y, vas-y, viens. Ha ha! Ouh! Mais il rajoute des effets à son truc en plus. Ah, d'accord, ok. Donc c'est... Ah, c'est l'équivalent des chevaliers dans Castlevania! Quand tu dépasses un certain point et qu'ils commencent à arriver, qu'ils envoient les trucs sur la gueule, écoute... D'accord, c'est les chevaliers! Chevaliers de la table ronde! De me voir si le Vingbo. D'accord, donc c'était pas un critical path en fait, c'était vraiment un chemin secondaire pour récupérer de la thune. Ok. Il prend son élan avant de chaque attaque. Lol.
C'est le cerf que t'as buté dans Darkwood. Mais on n'a jamais buté de cerf dans Darkwood. On pue la merde à Darkwood, mec. Les sprites de ce jeu sont hyper bien foutus. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant. J'avoue qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est un petit peu... Je crois que... On appelle ça la nuit de noces, il me semble. Mais une fois que tu passes à travers le graphisme, bon, tu finis par l'ignorer un petit peu, même si t'es très joli, tu vois. Mais c'est vrai que à chaque nouvel ennemi, le jeu te rappelle qu'il a un art style pas piqué des curtons. La blague était évidemment voulue. D'ailleurs, vous le restreamez un jour, Darkwood. Oh, je sais pas, poto. Je sais pas. Je comprends rien à Darkwood. J'ai fait un stream, j'ai rien bité à ce que j'ai fait. Je sais pas où fallait aller. Je savais pas comment on survit et tout ça. Donc je sais pas, mec. Si un jour il nous prend l'envie de vouloir nous paumer, si on a aucune idée de quoi foutre un vendredi, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas au menu. Je ne peux t'offrir qu'un peut-être. Je suis désolé. Alors attends, c'est quoi ici là ? Y a rien de caché là ? Oh, la musique, même la musique elle est cool. La musique elle a une atmosphère Diablo 1 que j'apprécie tout particulièrement. Tu crois que je peux sauter jusque là-bas? Vous pensez que je peux sauter jusque là-bas ou quoi? Ah bah attends. Ouais, c'est mieux ça. C'est mieux hein. On est d'accord. C'est mieux. Oh là, c'est pas bien ça. Ah oh, merde, putain, je voulais faire mon estoc. Attention, animé. Non. Je galère complètement. Mais il marche pas ce con estoc. Je comprends pas. Ça demande du pouvoir, ça demande quelque chose ou quoi? Attends, je comprends pas. Ah, faut rester appuyé peut-être. Attends. Je crois qu'il faut rester appuyé en fait. J'espère qu'il y aura des cerfs dans Planète Zoo, Russian. Si on n'a pas, je te tue. D'accord. Eh ben écoute, faisons comme ça, on verra. Du coup, c'est chiant. On verra s'il y a des cerfs. Attends, s'il y a des pangolins et des trucs comme ça et qu'il n'y a pas un seul cerf, franchement, c'est chelou. Après, c'est vrai, dans les zoos, ils mettent pas vraiment d'animaux communs, ça serait con, tu vois. Le zoo international présente sa collection de lapidous. Et voilà, un berger allemand. Après, franchement, ça me ferait plaisir. Un zoo avec des chiens? Pourquoi personne n'y a pensé à ça? Un zoo où tu mets que des chiens dedans et tu peux les caresser. Et les amener à la maison. Ouais, c'est la SPA, mais c'est pas franchement un zoo, parce que les chiens, ils pleurent. Quoi? C'est qui, ce con? Ah, il y a même des cinématoches, vraiment, la Castlevania. J'arrête pas de répéter Castlevania, mais... Donc lui, c'est un boss, lui. Ça s'appelle la barre à chiens. Ah mais le barachien, c'est pas pareil, ils viennent chier dans ton bol et tout. C'est sympa mais faut pas déconner. Donc le mec il arrive, il fait son petit speech, il se barre. C'est un enculé. D'accord. Mais qui est cet homme? C'est un enculé. Monsieur le pénitent, c'est un enculé. Rien de plus qu'un enculé. Je peux passer là du coup? Est-ce que... Non, il va falloir que je débloque, c'est un raccourci. Ah nice. Attention. Le Japon, c'est un bar à chat. Mais ils ont bar à chat, bar à chien et bar à canard en Japon, je crois. Donc, voilà, j'attends juste le bar à ours. Oh, ouh, merde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son attaque move? Attends, j'ai hâte de le voir. Bonjour. Oh là là. Moi aussi, j'en ai stock. Ah putain, j'arrive pas à le placer. Moi, lui, il arrive, mais... Et j'arrive pas à le placer. Une fois sur deux, il passe pas, je comprends pas. Un bar à chouette. Ah, c'est chiant, faut aller la nuit, non? C'est quoi ça? Oh, bonjour, monsieur. J'arrive pas. C'était une super mauvaise idée de prendre les stocks, en fait. Il y a des parcs avec des daims. Ah oui, et il y a des parcs aussi avec des cerfs au Japon. Et ils te filent des genres de petits gâteaux à leur donner. Le problème, c'est que les cerfs là-bas, ils ont tous la dalle. Et du coup, ils osent demander aux gens, enfin, ils ont plus peur des gens, en fait. Ils viennent foutre la merde. Ah, fuck! Ouh. Oh. Hop, vos gueules. Ah, lui, il est mort. Attention.
Ah mais c'est un gros haineux en fait, le pénitent. Il est pas pénitent du tout, il a juste envie de casser les gueules. Fallait le dire, faut pas lui donner un nom comme ça, attends. Tu l'appelles le casseur de gueule divin, tu vois. Là, pourquoi pas. One One Land. Ah bah tiens. En plus, One One, ça veut pas genre dire waf waf chez les jipons, là. Hop là, donc ça, c'est le raccourci. Impeccable. Oula, ok. Très bien, j'avais dit que je ferais jusqu'à 22h, mais en fait, j'ai envie de continuer un petit peu. Ça vous dérange pas si je continue un peu ça? Oh putain, il y a des sorcières. Wow. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Oh. Attention, pénitence. Ah mais je suis con, c'est sur le... Cassez-vous les sorcières. Tiens, Nictaras. C'est une sorcière comme dans Marianne. C'est Marianne, justement. Oh là, ça va être chiant, ça. C'est très cool, Blasphemous. Bon, je suis content que ça vous plaise aussi. Attention. Là, là, là. Ouh, c'est trop long. Bonjour, madame. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Si on pouvait rester civil, deux bonnes minutes, ça me plairait. Elle t'envoie des Hadoken. Ah, fuck. Hop. Frame skip. Oh. Oh, nice. Si c'est un ennemi, je me tue. Vous avez acquis. C'est... Oh, merde. J'étais en train de faire un truc. Excusez-moi. Oh, c'est fermé, d'accord. Ah, bah, c'est bon. Du coup, j'ai pas lu. C'était quoi, Seguirida? Un hymne bref dédié aux cieux nocturnes. La furie des justes s'empare du pénitent. Sa vitesse d'attaque augmente temporairement. J'aime bien. Ils font un genre de poème explicatif pour dire ce que ça fait, tu vois. Et finalement, en plein milieu, ils se disent, vas-y, on va quand même leur dire vraiment ce que ça fait, parce que sinon, ils vont péter un pont. Oh, j'adore. Bon, je me suis fait claquos, mais c'est pas grave. Comme ça, je peux retourner ici, faire tac. Et équiper ça, là. Je peux équiper ça parce que je l'ai normalement. Oh putain, fais chier. Faut que je recommence. Je crois pas, tout à l'heure je l'avais gardé, non? Oh, c'est pas ici. C'est pas ici du tout. Ah! Je comprends pas, tout à l'heure j'étais mort mais je l'avais gardé. Ah putain, mais attends, c'était où du coup? C'était là? Ouais, c'était là. Ok, je vois. Oh! Hop, donc il leur faut 3 coups. Omer casse-couille là. Ok. 1, 2. Ah ! Et ce que j'aime bien, c'est que tu perds de la vie à un niveau qui est pas vraiment. Qui est pas vraiment très cruel. Et tu peux quand même, tu vois, t'es. Bah mais non. Ah ouais, mais attends. Bah non. Bah. Ah mais putain, c'est une prière. Merde. Je croyais que c'était un truc à foutre dans l'épée, mais non, c'est une prière. Quel con, je l'avais en fait. Ruru, à quand les rediffs de Half-Life? Mais elles sont faites, les rediffs de Half-Life. J'ai foutu la dernière normalement, mec, hein. Oh. Oh, le pop boy. Comment il est trop cool, lui. Ouais, je crois que... Ah, faut rester appuyé, en fait. Ah, mais c'est chiant, ce dodge. Et donc, il a rien sous sa chaise. Il va me buter. Oui, mais il me semble qu'elles sont toutes faites. Je suis pas fou, je l'ai bien fini, quand même, mon truc de Half-Life. Oula. Et qu'il a explosé en petit bout, quoi. Ok. Oh, oh, oh. Tac. À moi les bébés. J'ai 2048 balles, je pourrais prendre le truc que je voulais prendre tout à l'heure. Va falloir que j'aille faire ça vite. Qui permet de tirer de loin là, parce que je pense que ça va nous débloquer de pas mal de situations. J'imagine que ça, c'est les raccourcis. Voilà. C'est marrant comme progression, j'aime bien. J'aime moins ça, j'aime pas du tout. Tiens, ouh. Donc les stocks, one shot les sorcières. Donc on peut aisément dire... Ah, on peut aisément dire que les stocks équivaut à 3 coups normaux, quoi. D'accord. Yes, je vois. Oh,
Eh ben oh, on est déjà... D'accord, donc ça c'est mort, et ça c'est ma collection. Pas du tout. C'est un marchand. Arrête. The miracle. Do not be surprised to find this merchant here. Ah ouais, bravo. Ouais, d'accord. Je vois, dis voilà. Candelaria, dis donc. Mais tu t'es foutu à l'abri des clients, ma petite Candelaria, là. Hein. Ah mais non, ça va me coûter du cuss. Une sphère vide et ternie, on n'y voit plus aucune trace de nacre, mais elle conserve un vague éclat bleuté, elle inspire la faveur à qui détruit les objets autour de lui. Ah non, attends, 1000 balles, oh. Clé de la chambre du frère aîné, clé interdite, gardée par le frère aîné de la confrérie, sa perte. Ça c'est pas ma tâche, je vais le prendre parce que ça m'intéressait de rentrer dans la chambre du frère aîné tout à l'heure, là, près du spawn. Et ça c'est quoi? Mousse conservée dans du verre, wow, super. Un petit flacon rempli de mousse, les petites fleurs blanches qui scintillent au-dedans peuvent protéger contre les toxines. Non, pas pour l'instant. Ce sera après, j'imagine qu'on va devoir... Il y aura un truc avec du poison ou je sais pas quoi. But là, je peux ? Je crois que je peux l'éclater ? Non. Ouh. J'avoue que pendant allez, un dixième de seconde, j'ai eu un petit coup au cœur, mais là ça va. Songe de pitié, ça aussi c'est LMF. Ok, donc je peux passer par là-bas. Yes, c'est dit pas. Bonsoir les gros gays. Ok, donc ici c'est mort. Ah. Et voilà, je suis par terre. Hop. Je vais tous me les prendre. Et je m'en bats les couilles. Je suis immortel. Je suis King Kong. King Kong's got nothing on me. Hop. Merde, c'est pas ça. Oh, j'ai juggle dessus. Attends, il y a un truc qu'il faut que je vérifie là. Ah non, j'ai peut-être pas de juggle dessus en fait. Je pensais que ça allait me donner une petite impulsion, mais non. Voilà. Crève, papy. Ouh là là. Loupé. Je pense que t'as quand même moyen de cheese une bonne partie du roster. Pas ça que je voulais faire. Voilà. Parce que là, un coup et je suis mort. Alors, deux coups et je suis mort. Eh ah, merde. Ah, il m'a poinçonné le cul, là. Bon, bah ouais, c'est cool. C'est grave cool, en vrai. Moi, ça me plaît beaucoup. Le jeu me plaît énormément. Donc, je pense qu'on va continuer la prochaine fois. De toute façon, je pense que ça va être relativement... je dirais pas linéaire, mais... est-ce que tu penses que je peux me TP? Ah non, j'imagine qu'il faut revenir, ça va casser les couilles. Faut que je revienne tout là-bas, en fait, pour aller à l'antichambre du fion, là. Sur certains trucs, tu peux juggle. Bah ouais, le mec était au sol avec son fouet, là. J'ai l'impression que je lui ai juggle en lui mettant des coups d'épée dans la gueule, en fait. Donc, je sais pas. Bizarre qu'on ait eu qu'un seul boss, quand même. Mais peut-être que ça se trouve, le jeu, il est long, hein. Ça se trouve, le jeu, il est long, du coup, il lance ses boss au compte-gouttes, c'est possible. Ouais, faut que je tourne là-bas. C'est ici? Non, c'est pas du tout ici. Excusez-moi, non mais j'ai pas le temps. ça m'énerve. Les sorcières m'énervent de manière générale. Ah, fuck! Quelqu'un a déjà maté Marianne sur Netflix, là? La série française? Ok, voilà. Non! Je déteste ma vie. Non? Eh ben, je vous la conseille. C'est vraiment, vraiment sympa. Et Marianne, c'est ma sœur. Ok. Il est con, lui. Il m'éclate. Marianne, c'est ma sœur. Ça parle de... C'est un écrivain femme qui écrit des bouquins, du coup, des bouquins d'horreur. Et qui se fait emmerder par une vieille folle qui dit s'appeler Marianne, comme la méchante dans ses bouquins. Et voilà, c'est le début. Ça, je vous ai raconté le début, là. Y a pas de spoil!
Tiens! Attention! Merde! Putain, mais je galère! Non, tu me poinçonnes pas! Ta mère la pute! Haha! Attends, toi ta gueule, voilà, merci. Bouge pas, attends. Attends, je veux. Non. Voilà. C'est Alan Wake. Ouais, c'est Alan Wake, mais le personnage, il est quand même moins agréable qu'Alan Wake. C'est quand même une grosse connasse. L'écrivain, là. C'est une gamine avec à moitié un side cut qui est à moitié alcoolique. Enfin, une meuf cool de 2019, quoi. Et non, mais la série est vraiment sympa et elle fout bien les boules. En vrai, elle met pas bien du tout, hein. Rien que le premier épisode, il y a eu un des trucs qui me fait le plus flipper au monde, c'est-à-dire il y a des images subliminales. Et j'aimerais bien descendre, voilà, merci. Et j'avoue que rien que là, je me suis dit, ouf, je vais en chier mou, quoi. Et c'était vrai, j'ai chié mou, ouais. The First Wake. Bah oui, parce qu'en plus, son truc, c'est qu'elle retourne à moitié dans l'endroit où elle habitait avant avec ses parents. Donc elle retourne dans une espèce de bled dans le Finistère qui s'appelle Elden, où il y a rien à foutre. Tout le monde est vieux et bizarre. Mais ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Attends, je veux tester ma truc, là. D'accord, donc c'est un genre de power-up. Oh là là, je fais n'importe quoi. Attends, je veux le... Putain, mais il est chiant, ce test-stock, en fait. Ah, merde. Bon, de toute façon, je pense que je vais arrêter là. La prochaine fois, on continuera quand j'aurai un peu plus de ferveur. Là, j'ai perdu toute ma ferveur. Là, j'ai envie d'aller violer des gens dans Wasteland, en fait, quelque part. Sans me la péter, j'ai pas trouvé de films-séries qui me font peur. Et vu que c'est du French, ça me tente pas des masses. Bah, écoute, tente pas si t'as envie d'être un PD. T'as regardé Tchernobyl? Parce que moi, j'ai éclaté Tchernobyl en... Allez, vas-y, une journée. Et mon gars, ça m'a... Là, pour le coup, ça m'a terrifié, quoi. Le premier épisode m'a terrifié. Ensuite, ça m'a dégoûté. Ensuite, ça m'a rendu dépressif. Et elle est insane. La série, elle est complètement folle, quoi. Tchernobyl, c'est... Bref, du coup, Blasphemous, c'était super cool. J'en ferai d'autres parties, donc ce sera une partie 1. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour Fallout 4. Donc, partez pas. Et je vous fais de gros bisous. Partez pas. Surtout, je vous aime. Donc, partez pas. Allez, bisous. Je reviens. Ne partez pas.